qui a dit « L'école est une sorte de cassoulet où on met les faillots devant et les grandes saucisses derrière. » Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, non. C'est un homme ? Un homme, oui. Vivant, donc. Hein. Vivant. On dirait du Patrick Sébastien. Ce n'est pas du Patrick Sébastien. Oh, il fait de la série. Ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien. Pardon ? Tim Sit. Oui, Tim Sit, non. Vous dites non, je trouve que ça n'a rien à voir avec Patrick Sébastien. Là, on sent une plume, un auteur, une pensée, une réflexion. Laurent Baffy. Bonne réponse de Florian Gazan. Oh non ! Non, alors là, vous voyez que tout le monde pouvait trouver. Hein. Et c'est Florian qui trouve, voilà. T'as pas un dictionnaire, toi, qui va sortir ? Ben oui, c'est le nouveau dictionnaire. J'ai pris cette citation. Et tout est comme ça. Dans le dico 2. Il y a des choses très drôles, Muriel. Il me l'offrira. Ah, je vais vous l'offrir parce que franchement, c'est un bon cru. Le dico. Non, parce qu'il y a des dictionnaires, parfois, c'est plus ou moins bien fait. Mais le dico 2 de Laurent Baffy aux éditions Kéro, je vous le conseille. Merci. C'est vraiment drôle. Je peux vous donner des exemples. Oui, par exemple, pour Muriel, un truc un peu fin, confessionnal. Ah non, pour Muriel, j'ai trouvé un truc, mais je ne suis pas sûr que ça va la faire rire, Muriel. Ah, déjà, si tu n'es pas sûr, c'est que vous n'êtes pas sûr, c'est que vous êtes sûr. Alors, je commence déjà à prendre ma tête qui ne rit pas. j'ai fait la réaction. Bon, alors, j'en prends un autre. Non, si, alors ça m'intéresse. Ah, je vous interdis, Laurent. Je veux celui. Non, on n'a pas le droit de faire ça. La définition de lesbienne, par exemple. Ah non, bah, alors, pour l'instant, je m'en fous. Ça te concerne. Alors, je ne me sens pas concerné. Ah oui, mais la définition est de Baffy, fait. Oui. Définition de lesbienne. Allez, vas-y. Femme au goût doux. Ah, goût doux. Alors moi, c'est vous dire. C'est mignon. Oui, c'est très mignon. Une anecdote. Je suis en Corse, sur un petit marché. Il y a un monsieur qui vend du miel. Ce jour-là, il y a des caméras en face de moi, parce qu'on fait de la promo avec Lynn Renaud. On joue notre pièce ensemble il y a 10 ans, qui s'appelait Fugueuse. Je goûte du miel, et le monsieur en face me regarde très sérieusement, et vraiment très sérieusement, et il sera sérieux jusqu'au bout. Il me dit, ah non, madame. Ah non, pas ça. Toujours les goûts doux avant les goûts forts. Je lui dis non, avec la caméra, ça existe. Ça existe à l'image. Vous allez regarder promo Lynn Renaud. Je lui dis non, vous pouvez pas me dire ça. Ah si, deux fois il me dit, ah si, les goûts doux avant les goûts forts. Donc si tu veux... C'est pour ça que tombe un peu à l'eau, celle de mort. Finalement, t'es bon, elle est beaucoup plus drôle que Laurent Baffy. Bah oui. La définition de fantôme, quelqu'un qui peut enfin se payer une vie de château, je trouve ça très joli. Le golf, un sport où on peut voir des gens très chics peuter en public. Ah non, oui, c'est mignon. C'est le dico 2 de Laurent Baffy. Il y a aussi bénitier que j'aime bien. Bénitier, gros coquillage marin qui n'avait pas du tout prévu d'accueillir des grenouilles. Voilà, c'est signé Laurent Baffy. La question concerne cette fois un abbé qui s'appelait... Préda ! Non, qui s'appelait Gabriel Irénée Séraphin Lambert. Ah, je croyais que c'était Séraphin Lampion. Non, l'abbé Lambert, qui fut d'ailleurs, et c'est assez rare parce Merde que... Merde, non ! C'est dingue ! Excellente réponse de Pierre Bénichoux. L'abbé Lambert était effectivement maire d'Oran. Il a été élu en 1933, maire de cette ville française à l'époque, et algérienne surtout. Et d'ailleurs, on le verra, ce maire, en soutane. Il portait la soutane, il fallait oser, hein, évidemment, à Oran. Il portait la soutane là-bas. On verra ça dans le documentaire Les Vies d'Albert Camus, qui sera diffusé mercredi 22 janvier prochain sur France 3. Moi, j'ai vu le documentaire, c'est très intéressant, parce qu'on voit des images très rares d'Albert Camus, et voilà, effectivement, le maire d'Oran. Vous l'avez connu, ce maire d'Oran, monsieur? Non, mais j'ai connu parce que de réputation. Il avait une grande soutane, il avait beaucoup de maîtresses. Ah. Il promettait que l'eau qui coulerait du robinet serait de l'eau douce et non pas de l'eau salée, comme ça a été pendant 200 ans en Algérie. Et en même temps, il avait un journal très sympathique qui s'appelait l'Anti-Juif. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est... C'était un garçon sympathique. Mais dis donc, t'étais abonné ? Non, mais j'étais souvent dessus. Enfin, un journal qui parlait de vous. Pour Pauline Cap, qui habite Pujot dans le Gard, la question concerne la corrida de Houille. Aïe. Non. La corridouille. La corridouille. Il y a une polémique dans les couilles. Qui est née des résultats de la corrida de Houille. Bon, c'est où Houille? Ah ben c'est dans les Yvelines. Ça fait pas du tout la région des corridas. Est-ce que c'était vraiment une corrida? Ah ben la corrida de Houille, ça n'est pas une corrida. C'est ainsi qu'on appelle une manifestation sportive. Et manifestation sportive dont les résultats prêtent à polémique. Pour quelle raison? Est-ce que c'est le genre de sport un peu crétin comme Pas du
tout, pas du tout. C'est pas en voiture, c'est pas en voiture. Pas du tout, il y a une vraie polémique, et croyez-moi, vous allez en entendre parler là pendant plusieurs jours. Il y a des animaux dedans ? Il n'y a aucun animal là-dedans. C'est pas la seule compétition autour de laquelle la polémique est née, mais entre autres, c'est lors de cette corrida de houille qu'on s'est aperçu qu'il y avait un problème. Une course à pied ? Une course à pied, oui. Ah, à pied, mais avec quelque chose en particulier. Comment ça ? Il y avait des courses sur des fauteuils de bureau ou en talons aiguilles, par exemple. Mais pourquoi vous voulez réduire cette compétition, la corrida de houille, à une manifestation ridicule, alors que c'est une vraie compétition sportive ? Oui, d'accord. Le problème, d'accord. Mais c'est pas une corrida. Ça, c'est vrai, monsieur Bénichou. Et le problème était posé par le prix qu'on reçoit après ou non, les résultats. Est-ce que la longueur... Ah, et quelqu'un s'est dopé. Dopé, non. Des frères siamois ont gagné. Et comment on fait quand des frères siamois gagnent une course ? Justement, là, le problème que ça pose. Ah ben, j'imagine. Ah, quelqu'un est arrivé sous, hein, quelque chose comme ça. Pas du tout. Il y a eu de la triche. Et il n'y a pas qu'à la corrida de houille que ce problème, évidemment, a eu lieu. Ça a eu lieu aussi au dernier... marathon de Paris, autant vous dire. Et ça fait un petit moment qu'on s'interroge. Ça fait C'est les godasses, non, c'est pas les godasses Nike, avec le ressort là, qui vous font aller plus vite et les gens ils battent tous les records. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Ah ouais, les marathons, tout ça, ça change tout là. Les chaussures qui font scandale. C'est deux pages dans le Parisien aujourd'hui. Et oui, il y a à l'intérieur de ces nouvelles chaussures une plaque et même parfois plusieurs plaques en fibre de carbone qui sont... Oh, d'accord, je le fais pas alors. qui sont glissées dans la semelle avec une mousse d'air. C'est une évolution technologique qui fait que, par exemple, il y a un marathonien qui est passé sous la barre mythique des 2 heures du marathon. Non. À l'époque, on a entendu parler de ça. On savait pas que c'était grâce à ces chaussures. Bah, mais en intraveineuse. Quoi en intraveineuse ? La mousse dans les chaussures. Non, pas en intraveineuse. C'est des jolies chaussures roses, d'ailleurs. Ah ouais. Alors attention, tout le monde ne peut pas courir avec ces chaussures. Les culs de jambes. Non. Non, faut savoir que c'est quand même des chaussures donc avec coussin d'air dans les semelles, comme si vous aviez un ressort. Hélice. Qui fait qu'il faut quand même être habitué à courir, comment vous dire, sur l'avant des pieds. Elle coûte 275 euros. Ah, quand même. Oh, bah ça, si tu gagnes. Il y a déjà une sélection par l'argent. Oh, puis, tiens, je vais boire un peu de Perrier. Vous êtes surprise par monsieur Bénichou ? Il est surprenant, oui. Vous avez remarqué. Tu vas être encore plus surprise tout à l'heure. Je vais avoir une surprise de taille. Ah non ! Ah non ! J'ai moyen de piéger Gazan, puisque je ne l'ai pas eu sur le football. Je vais peut-être réussir à l'avoir sur le rugby. Ah oui. Et là, on a pris une pâtée. Hein. Oh, une tolasse. On a été nuls. On a pris une branlée. Ah oui, ce week-end, là, ça a été vraiment terrible pour le rugby français. L'actuel sélectionneur s'appelle... Philippe Brunel, bravo. Pourquoi on perd comme ça contre l'Angleterre? Parce qu'on est nul. 44 à 8, vous avez regardé le match, Bernard? La honte. 44 à 8 ou à 8. 44 44 à 8. 44 à 8. Oh là 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 là, quelle honte. Et paf, voilà. C'est dans la gueule. 5 essais, ils ont pris. Quoi ? Ils ont pris 5 essais. Oui, bah écoutez, vous aussi, vos parents, ça devait être un essai. Et... Oh non, c'est pas gentil. C'est méchant. La fleuriste et le cycliste. Oh, regardez ce beau bébé qu'ils ont fait. Et que c'est moche. Oh. Et que c'est laid. Vous pouvez trouver ça. Non, pas vous, non. Peut-être. Ouais, non. Peut-être Bernard Mabille. Non, rugby, non. Ah bah si, quand même. Il s'agit du nom du sélectionneur. Rappelez-vous les sélectionneurs entraîneurs de l'équipe de France, de rugby. Alors, je vais pas vous demander, évidemment, qui était avant Jacques Brunel. C'était Guy Noves, ça. Vous auriez su. Jacques Brunel. Jacques Brunel. C'est l'actuel sélectionneur. Mais vous avez pas dit Pierre ? Non, pas du tout. Ou Philippe ? Mais vous changez de prénom, là. On est prêt. Elle va nous faire chier longtemps, Jeanne d'Arc, là. Change de cerveau. Parce que... Peut-être que Gazan, c'est vrai, a dit Philippe Brunel. Ah, bah voilà. C'est Jacques Brunel. Oui, j'ai dit Philippe. C'est Jacques Brunel. Eh ben alors, il savait pas qui c'était, voilà. Désolé. La question, elle est toute bête. C'est quel est le sélectionneur français de rugby qui est resté le plus longtemps à la tête du 15 de France ? Borghero. Jacques Fourou. Excellente réponse de Florian Gazan. Jacques Fourou. De 80. Mais en fait, il s'appelle tous Jacques. Il ne faut pas poser des questions au sport quand il est là, Florian. Hein.
Oui, mais le rugby, je pensais qu'il savait pas. Mais lui, mais c'est tout. Tout. Et ça date de 80 à 90. Dès que vous sortez de la culture, il sait tout. Ah, ça, c'est dégueulasse. C'est très drôle. Une question pour Monsieur Steve d'Auvergne, qui habite Nantes, en Loire-Atlantique. C'est son nom, hein, Steve d'Auvergne, mais il habite Nantes. Il a déménagé, donc. J'en sais rien. Enfin, il habite lui aussi à L.A. Oh, eh oui, Loire-Atlantique, ben, L.A. 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 Vous avez raison. Demain, ce sera le cinquantenaire de la disparition de cet homme dont on retrouva l'avion qui creusa un cratère de 6 à 7 mètres quand son avion s'écrasa, ce qui laisse supposer qu'il a heurté le sol à une vitesse entre 700 et 800 km/h. Oh, il n'a pas dû le sentir. Yuri Gagarin. Hein. Et c'est Yuri Gagarin. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Yuri Gagarin, c'est l'homme qui a marché dans l'espace et il s'est pété la gueule en avion de chasse. C'est ce qu'on met sur les tartines, la Gagarin. C'est la margarine. Ah, c'est pas pareil. Non, Gagarine, c'est ce qu'on fait quand on prend. On a mal de gorge. On a un mal de gorge. On met un petit liquide à la gorge et on gagarine. Je vais te le faire. Vas-y, fais voir. Un gagarine. Attendez. Alors là, Philippe, vous êtes obligé. Oh non, ça fait 2-3 ans. Ah oui, mais ça fait bien. Ouais. Allez, ça fait bien un an que vous ne l'avez pas fait. Et c'est ma blague préférée, signée Philippe Gueluc. Donc je crois qu'il est, il est temps de la refaire. Oh, vraiment. Ouais. Vraiment, Philippe, il est temps. Trop bon, mais oh oui, enfin. C'est ma blague préférée. Ah oui, allez-y, faites-la parce ça que ça donne envie, hein. Bah non, mais j'ai un jour. On l'a fait. Les préliminaires, ça suffit. On l'a fait une fois par an à peu près, et en 2018, on n'y a pas encore eu droit. Et c'est une histoire que j'ai inventée un jour dans une émission. Philippe, raconte cette putain de blague. Et en fait, ça se passe sur le Titanic. Vous savez ce bateau. Vous voyez de quoi je parle. Bien sûr. Ce bateau qui a heurté. Et quand tu me parles, tu dis monsieur, ça tombe. L'autre marchand de chat. Le marchand de chat. Je rêve, attends. Le marchand de chat. Attends. On va vous appeler comme ça. La version belge de Monsieur Ronron, même en train de me faire. Il me parle sans mettre monsieur, mais ça va pas pour lui. Et oh, Popeye, ça va comme tu veux. Alors. Popeye, il va te redécorer, tu sais pas quoi tu vas ressembler ton argent. Donc nous sommes sur le Titanic qui heurte l'iceberg, le bateau commence à couler. Et comme vous le savez, les femmes, quelques femmes et enfants peuvent quitter le navire, mais restent sur le pont les hommes et qui se mettent à chanter. L'orchestre du Titanic. L'orchestre accompagné. Il a oublié l'histoire. Accompagné, les hommes se mettent à chanter, accompagnés par l'orchestre. Et ils chantent plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, etc. Et mais le bateau jusqu'à la fin, continue à couler jusqu'à la fin. Ils ont chanté. Et donc, à la fin, c'est devenu... Faut que je l'aide, hein. La chanson est devenue comme ceci. C'était « Plus près de toi... » Ne me dites pas que c'est la blague. Si. Ne me dites pas que c'est ça qu'on nous a annoncé à grand renfort de trompette. Si, parce que j'aime bien quand il fait... Voilà, enfin. Et moi, surtout que quand il a pris le verre d'eau, j'avais pas du tout pensé qu'il allait faire ça. C'est marrant. Un jour, j'ai voulu le faire, mais il y avait une tasse de thé et je me suis brûlé. Mais c'est dur de faire rire. En tout cas, Yuri Gagarin, peut se brûler les lèvres. Il y a 50 ans, Youyou Gagarine, c'est ma cousine. Gagarine. Yuri Gagarine s'écrasait. Alors que quand même, c'est terrible pour un homme qui quand même était allé dans l'espace. Le premier homme à être allé dans l'espace. Vous savez qu'ailleurs, ils étaient trois présélectionnés au départ. Il y avait Yuri Gagarine, il y avait Titov. Pas notre Titov à nous, hein, évidemment. Hein. C'était son nom, German Titov, et Grigori Nelyubov. Ils étaient trois choisis par les Russes. Un seul sera choisi. Titov est un peu trop cultivé. Non, et... c'est pas vrai, ça. Il est souvent en retard aussi. À l'époque, peut-être, il était. Leur Titov à eux, le Titov russe. Oh putain, j'ai marché sur la Lune. Ah oh, putain, je le crois pas, il y a un gars de l'OM sur Neptune. Mais non, mais. Leur Titov à eux, vous voyez, il est trop cultivé, il représente pas assez le peuple. Alors ils choisissent Gagarin. Et Nelyubov, vous voyez ce que ça veut dire en russe. Oui. Ça veut dire quoi, Nelyubov? Lyubov, c'est l'amour. Donc ah oui. Lyubov, ah bon si on peut. Faudra, Lyubov, en fait, c'est l'amour. Pas du tout. Lyubov, c'est le. Bah, c'était le plus doué techniquement, Nelyubov, mais il n'a pas été choisi parce qu'il avait des problèmes d'alcoolisme. Oui, ça c'est. Ce qui est très rare aussi. D'ailleurs, et c'est pour ça que j'aimerais le souligner parce qu'on n'a jamais entendu. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, Nelyubov, quand il n'a pas été pris. Exact. Moi, je sais. Et ben, il s'est suicidé. Suicidé de lui-même. C'est pas.
il s'est suicidé personnellement, le gars. Et c'est très rare, parce que les gens engagent en général... En 66, il s'est suicidé. Oh. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Finalement, il s'est suicidé deux fois avant que Gagarine avant que Gagarine, lui, s'écrase avec son avion. Non, ce que je trouve dingue, c'est qu'un mec est allé dans l'espace, il revient vivant... Paf! Et deux ans après, il s'écrase avec son parce que la fusée, c'est pas lui qui la conduisait. Voilà. Mais non, c'est le destin. Non, mais avoir un destin pareil pour finir écrasé comme une merde dans un cratère, c'est con. C'est comme la survivante d'un crash aérien. C'est une vraie histoire. L'avion prend feu. Les pilotes mettent de la mousse sur l'avion. On voit plus rien du tout. Il y a une seule survivante. Elle court sur la piste. Marche arrière d'un camion de pompiers. Elle se fait tuer sur le coup. Et moi, c'est pareil depuis que, pour les gens, que, comme j'étais steward, forcément, je suis expert aéronautique. Alors, quand il y a eu cet avion. Pas pour moi, hein, cet avion qui s'est écrasé sur la montagne, là, tu sais, le pilote qui s'est suicidé, oui. Mais il y a eu 24 heures avant qu'on sache qu'il s'était suicidé. On se demandait pourquoi il s'était écrasé sur la montagne. Et moi, je jouais ce soir-là sur scène, et à la sortie de scène, il y a plein de gens qui m'attendaient, et il fait, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis comme tout le monde. Mais j'ai dit, tu sais, l'hôtesse, elle a ouvert la porte. Elle a fait, café! J'y suis retourné, elle a pas vu la montagne, paf, dedans, allez. Et les gens, ils font, ah bon? C'est vrai, il paraît que dans le Marais, on vous surnomme la boîte noire. Et pourquoi t'habites dans le Marais? Non, ça serait trop cliché. Hein. Ça serait trop attendu que j'habite dans le Marais. C'est vrai. J'habite à côté. Une question pour Clara Tolmes, qui habite Auriol, dans les Bouches-du-Rhône. Pour quelle raison? J'ai bien peur que cette question ne trouve non plus preneur aux grosses têtes aujourd'hui, puisque je vais encore vous parler d'un livre, et manifestement, la littérature, n'est-ce pas, monsieur Benichou, n'est pas votre fort, en tout cas, la littérature contemporaine. Et là, il s'agit d'un livre, remarquez, j'ai peut-être mes chances, un livre sorti en 69, chez Stock. Ah bah oui. Il s'appelait La machine à brouillard. Pour quelle raison reparle-t-on de ce livre ces jours-ci, La machine à brouillard, paru chez Stock en 1969. Est-ce qu'on y a fait référence dans un débat, peut-être ? Non. Non. Est-ce que c'était un livre de science-fiction ? De science-fiction, non. Le brouillard dont on parle, parce qu'il y a du brouillard, machine. C'est un livre de Louis Baudin ? Un livre de Louis Baudin en 69, excusez-moi, mais... Ouais, il avait des cheveux. Il avait 11 ans. Il y a un livre écrit en 69 qui s'était inspiré de 68 ? Pas du tout. Est-ce que l'auteur est encore vivant ? Non. C'est un livre de 69 qui s'inspire de 69 ? Du tout. Est-ce que l'auteur est français ? C'est un livre de 69 qui s'inspire de 70. Est-ce que c'est un livre de 69 ? On va te faire pourrir, tu vas voir. Est-ce que c'est un livre de 69 qui aurait pu être écrit en 69 ? Oubliez l'année, on s'en fout de l'année. Ah, bah non, oh, c'est vous qui nous l'avez donné. Oh, mais c'est vrai. Une c'est vous qui nous l'avez donné. Est-ce que l'auteur vient de mourir ? Pas du tout. Est-ce qu'il est français, l'auteur ? Oui. L'auteur, on s'en fiche parce qu'on le connaît plus. Alors, mais si on s'en fout de tout, Moi, je m'en fous de la question. Tu t'en fiches de l'auteur. Il a reparu sous un autre titre. Ouais. Mais je peux vous donner le nom de l'auteur, si ça vous intéresse. Oui, beaucoup. Ken Kesey, vous voyez ? Ah oui. Et autant vous dire qu'effectivement, La machine à brouillard, c'est la première traduction française du livre de Ken Kesey, qui lui... en original, est sorti en 1962. Vous voyez, c'est seulement 7 ans plus tard que c'est sorti chez nous en France sous le titre La machine à brouillard. Et le titre original. Vous voulez savoir quoi exactement ? Pourquoi on en reparle ? On en reparle. Ah, c'est que vous qui en parlez. Oui, parce que c'est une question des grosses têtes. Oui, parce qu'il va ressortir à nouveau sous un autre titre. Voilà. Non. Parce qu'on va en faire un film ? Oh, il y a déjà eu un film. On va en refaire encore un autre. Un remake ? Une série ? Non. Le film a inspiré Milos Forman qui vient de décéder. Et alors ? C'était Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'un nid de crapaud, de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Yes ! Excellente réponse ! D'Éric Logérias et Jean-Jacques Perroni. Et oui, Vol au-dessus d'un nid de coucou qui s'appelait en version originale One Flew Over the Cuckoo's Nest, vous voyez. Donc, en fait, le film qui porte le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou est la traduction plus précise et plus littérale du vrai titre original. Mais quand le livre est sorti chez nous, puisque ça a été un livre avant d'être un film, le livre s'appelait étonnamment La machine à brouillard. C'est seulement après la sortie du film que d'un seul coup, évidemment, on a réédité le livre sous le nom Vol au-dessus d'un nid de coucou. Mais au départ, le livre s'appelait bien One Flew Over the Cuckoo's Nest et avait été traduit chez nous par La machine à brouillard. Vous vous souvenez de ce film, évidemment, avec Jack Nicholson. Formidable. Je ne voudrais pas dire, mais j'ai l'impression que le déménagement n'a pas profité à Monsieur Gazan. Vous avez remarqué ? Ouais, pour l'instant, trois questions, pas une réponse. Ça va venir, ça va venir. Je crois qu'il avait un souffleur dans le 8e arrondissement.
Il ne l'a pas suivi jusqu'ici. Aujourd'hui, il en a pas de chaussettes. Bah justement, moi je trouve ça très sexy. Le petit mocassin en daim marron sans chaussettes. Alors moi, ça me fait totalement craquer. Dites-moi, voilà. Vous êtes venu pour regarder sous mes jupes vous bah, J'ai remarqué. Mais vous êtes mignonne, vous êtes oui. mignonne. Vous affolez Sophie d'avant, vous vous rendez compte Oui, non, mais pourtant... Bah, faut pas exagérer non plus, affoler, non, mais... Depuis qu'elle s'occupe des antiquités... C'est une belle affaire. C'est pas une affaire, Pierre. Dites-donc, madame d'avant. Oui. Dans votre brocante, un vieil outil comme ça, il partirait à combien? Entre un ivrogne et une antiquaire, qu'est-ce qu'on est à foutre? Dis donc, à part ça, quand on pense qu'on vient nous faire chier avec l'Irak, les Kurdes, les Turcs et tout ça, alors que la guerre est finie entre Madame Hallyday et David. Ah, c'est vrai, il a raison. Ah, ouais. La guerre. Hier, ils étaient comme ça, ils disaient, il y a eu 300 000 Kurdes, il y en a. Mais la guerre est finie. Dites, d'ailleurs, on n'a pas eu votre avis sur l'affaire du pont de Ligonnès. J'imagine que le week-end dernier, vous n'avez pas décroché de votre télé. Hein. Mais je ne peux pas en parler. Ah, pourquoi? Il est chez lui. C'est vrai que j'ai tué ma femme, peut-être mes trois enfants. Mais j'ai épargné mes chiens, moi. Donc, c'est honteux parce que les chiens, ils peuvent pas se défendre, en fait. Hein. Et si c'était pour lui? Ah! Et si que ça serait moi? Les gens vont commencer à penser qu'il n'y a que Pierre aujourd'hui. Les gens s'en foutent du moment qu'ils sont contents. Et qu'ils envoient des petits chèques en plus. Parce que vous pouvez envoyer des petits chèques en plus. Dis-moi, envoyez un chèque, par exemple, 1000 francs. J'avais pas une question, la tête. Dites, monsieur Bénichou, on peut peut-être commencer une première citation, vous êtes d'accord? Je voyais bien que je lis mon courrier, laissez-moi tranquille. Enfin, oui, mais enfin, vous n'êtes pas là pour lire votre courrier, vous êtes là. Alors, pour... faudrait savoir. Vous êtes là pour participer, vous êtes là pour, voilà, rendre Sophie d'avant joyeuse. Sophie d'avant, elle est ravissante. Et je lui disais tout à l'heure que. La façon dont elle changeait de tenue à la télévision pendant ses émissions, elle vient dans 7 tenues différentes. Mais non, c'est le best-of. Dans 7 tenues différentes. Et alors pourquoi t'es bandant? C'est Beyoncé. Parce que quand c'est qu'on voit une femme qui s'est changée, quand elle sort du plumard. Donc tu te dis, encore? Elle était encore au lit. Oh bah d'accord, l'image. Et on se dit, mais quelle activité, mais elle n'arrête pas, elle n'arrête. Enfin, et en fait, c'est faux, parce qu'elle a une vie tout à fait normale. Alors en fait, c'est quand faux, parce que je fais 5 émissions dans la même tenue. Dans la même tenue? Bah oui, je reçois 23 personnes par jour. 23 personnes par jour? Voilà. Ça fait beaucoup. Moi, ma mère, même pendant l'occupation, j'entendais pas. Bon, allez, une première citation, si vous voulez bien. En plus, elle va vous intéresser, monsieur Bénichou, qui a dit, et ce sera pour Guylaine Schlosser, qui habite Rosier en Donzy, dans la Loire, qui a dit, si les journalistes étaient des funambules, il y aurait une forte mortalité dans la profession. Français? Un Français. Vivant? Un Français mort. Des proches? Non, pas des proches. Coluche. Et c'est Coluche, notre Coluche national. Une citation maintenant plus compliquée, évidemment, pour Christine Thomas-Hilbert, qui habite Chavy. C'est de la poésie. De temps en temps, ça fait du bien, poésie. Ah oh, oui, bordel. Qui est l'auteur de ce poème? Tous deux, ils regardaient de la haute terrasse l'Égypte s'endormir sous un ciel étouffant. Claude François. Non. Alexandrie. Et le fleuve à travers le delta noir qu'il fend, vers Bubaste où Saïs roulait son nom de grâce. Et le Romain sentait sous la lourde cuirasse, soldat captif berçant le sommeil d'un enfant, ployer et défaillir sur son cœur triomphant, le corps voluptueux que son étreinte embrasse. Théophile Gautier. Victor Hugo? Victor Hugo, non. Mallarmé, non. Hérédia. Théophile Gautier. Pardon. José Maria de Hérédia, bonne réponse de l'académicien Marc Lambron. Une question historique pour Catherine Bolteau, qui habite Venanceau en Vendée, qui fut incarcérée pendant 6 ans dans la prison Mamertine. C'est tout? C'est la fin? Ah oui, c'est la fin. Et donc, ça, ah bah, vous m'avez dit que fallait... ça manque d'introduction, là, pour le coup, là. Pour le coup, c'est un peu sec. Faut faire court, Ah là, là. Maintenant, c'est fais court. Hein. Le comte de Monte Cristo. Le comte de Monte Cristo, non. Mamertine, ça a un rapport avec les nichons?
Non. Non, non, pas spécialement. Baudelaire ? Baudelaire, non. Diderot. La prison Mamertine. Diderot. Peut-être faut trouver où se trouve. C'est l'adjectif. Pardon. Mamertine, c'est l'adjectif. Les Mamertins sont les habitants de Mamertine. La prison Mamertine. Mamertine à la plage. C'est à la montagne. Mais alors Mamertine, elle est où cette prison? À Lille, c'est Mamertine Aubry. Je pense que c'est là le piège. Il faut trouver où c'est ce qu'elle est. Ben oui. Où c'est ce qu'elle est, comme vous dites. Il faut trouver, je crois, mon cher Laurent, d'abord l'époque où ça se trouve. Ah, ça aussi, oui. Ça... Alors, 17e. Non. 19e. Oh, bien avant ça. Casanova. Quoi? 15e. Casanova, non. 14e. Qui fut emprisonné pendant 6 ans dans la prison Mamertine. 6 ans. Et alors, c'était pas drôle là-bas. Hein. C'est une femme ou un homme? Sad. Une femme? Une femme, non, un homme. Un homme. Mais on ne sait pas trop d'ailleurs s'il est mort en prison ou pas. Ah. Bah, Ah, non, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Est-ce qu'il a Jésus? Et s'il a existé vraiment? Français. Ah, il a vraiment existé. Français, oui, je suis obligé. Auteur? Auteur licencieux? Ah non, auteur, non. 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 Homme politique? Homme politique. Homme de guerre? Oui. Homme de guerre, oui. Alors, attendez, c'est 12e siècle? Non, bien avant. Versailles-Étorix. Bonne réponse de Valérie Mérès, Versailles-Étorix. C'est la troisième bonne réponse de Valérie. Mais oui, mais quand les intellos sont pas là, j'essaye. Eh oui. Mais t'as été visité, c'est pas possible. J'ai dit Astérix. J'ai dit Astérix, il y a longtemps qu'elle a pas été visitée. Hein. Pas loin, mais pas ça. Vous avez... Pour moi, en tout cas. J'ai sucé un intello. Oh non, oh non, 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 écoute, non, ça, c'est pas possible. Non. Excuse-moi, mais c'est un peu dur à avaler, ça. Regardez, vous choquez Muriel. Non mais je sais. Non je... mais Muriel, c'est une poète. Elle est pas comme ça dans le slip. La prison Mamertine, c'est à Rome. Faut quand même que je vous le dise. C'est à Rome qu'il a été emprisonné à Vercingétorix. C'est Jules César, évidemment, qui l'a foutu en prison à Rome. Ouais, ouais. Et alors, on ne sait pas trop si Jules César l'a humilié en le traînant derrière son char, parce que c'était, paraît-il... C'est plus qu'humiliant, ça fait mal. Hein. Ouais, c'est douloureux. Ouais, c'est, pas... c'est surtout douloureux. Humiliant. Oui, humiliant, on n'en est plus là. Quand t'es écartelé par quatre chevaux, je pense pas que... L'humiliation... Le mec, il s'est dit... L'humiliation vient. On se dit, mon Dieu, je suis humilié. Humilié. Non, c'est surtout, filez-moi de la morphine, quand même. Et vous savez pourquoi je vous parle de Vercingétorix aujourd'hui? Justement, il a raison, Agustine, parce que le nouveau Astérix va sortir le 24 octobre prochain. Ah bah moi, je préfère le nouveau, le chat. Le 30 octobre. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que ton blanc est plus éclatant avec le nouveau, le chat. Mais c'est gentil, Muriel, merci. Bon bah, il y a de la place. Il y a de la place pour tout le monde. Dans les bibliothèques pour Astérix, c'est pour le chat. Oui, mais si vous devez hésiter, prenez le chat. D'accord. Voilà. Mais ma question porte non pas sur le chat, la question porte mais sur... Mais moi, j'ai envie de parler du chat. La question porte sur la fille de Vercingétorix, puisque c'est évidemment le nom du nouvel album. Voilà. Quel est le nom de la fille de Vercingétorix? Exactement. Alors attention, on ne sait pas s'il a vraiment eu une fille, hein, Vercingétorix. Le nom que je vous demande, c'est évidemment le nom dans l'album. Ah, d'accord. Quel nom ils lui ont donné? Parce qu'en fait, c'est l'histoire du nouvel album d'Astérix, c'est que Obélix et Astérix vont devoir s'occuper d'une ado, une adolescente. Et pas c'est mal. Plus compliqué que les Romains, une ado, vous voyez. Et, oh là là. Et comment elle s'appelle, cette ado? Gwendoline. Pas Gwendoline, mais ça finit en line. Pensez à une ado, une ado. Une Chiantine. Chiantine. Vous avez dit quoi? Adoline. Adoline, non. Moi aussi, j'ai pensé. On n'est pas si loin, notez bien. Qu'est-ce qu'ils font, les ados? Adeline. Non. Conrilé. Oui, il y a un jeu de mots, forcément. Il n'y a pas un jeu de mots, mais qu'est-ce qu'ils... Chrysaline. Non, Chrysaline, non. Qu'est-ce qu'ils font, les ados? Augustine. Pardon. Ils sont sur leurs écrans. Augustine. Augustine, non. Textoline. Non. Ah. Ça se caractérise comment, vous voyez? Ah, acnine. Crise d'ado. Clérazine aussi, tant que vous êtes. Non. C'est pas physique, c'est dans le caractère. C'est un nom commun en France. Oui, mais le... Et ils en ont fait un prénom, vous voyez. Qu'est-ce qu'ils font, les ados? Ils sont... Chiants. Non, oui, ils sont chiants, mais aussi ils sont... Énervéline. Ils grandissent. Énervéline. Énervéline, non, mais on se rapproche. Vénerline. On n'est pas loin. Oh la vache. Insuline. Non, on est tout près. Insuline. On est tout près d'insuline. Insultine. Non, insultine, non. Instagramine. Non, c'est le nouvel album d'Astérix qui sort en librairie le 24 octobre. La fille de Vercingétorix s'appelle... Chrysaline. Pas Chrysaline. On dit à son adolescente, qu'est-ce que tu es, Nénanine? Non, mais on peut dire qu'il a de la...
De l'adrénaline. La poitrine. Adrénaline. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Adrénaline. Alors là, je suis pas d'accord. Hein. Ah non. Ah, je suis pas du tout d'accord. C'est pas typique de l'adolescence. C'est typique aussi de quelqu'un qui va se des artistes qui va se enfin l'adrénaline des sportifs, ouais. L'adrénaline. L'adolescent, enfin, il est plutôt. Il est pas, ah oui. Alors là, on n'a pas les mêmes adolescents. Alors non. Là, la mienne, elle dort. Ah, ah oui. C'est ça. Oh, ah mais elle est déjà adolescente. Là, non, mais presque. Mais elle dort. Ça commence non, de parce plus que si elle a 6 mois, c'est normal qu'elle dorme. Non, mais c'est vrai que les ados, ils ont plus dormir. Là où vous avez raison, Isabelle, c'est que les adolescents de 6 mois dorment beaucoup. Non, mais Muriel a raison, les ados seraient plutôt amorphiles. Oui. Ah ouais. Alors ça dépend. Moi, j'ai une caricature en même temps. Voilà, c'est une caricature. C'est le nom du nouvel album d'Astérix. Et j'ai une autre question à propos d'album d'Astérix. Oh, on fait tout sur Astérix. Non, ce sera la dernière, mais là, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui a été caricaturé dans Astérix en 1979 et on vient de nous annoncer d'ailleurs qu'il vient d'être hospitalisé, on nous l'a annoncé. Qui ça ? Alain Delon ? Hospitalisé quand aujourd'hui ? Alain Delon, non. Pierre Tchernia ? Hospitalisé hier. Un de nos acteurs qu'on aime. Pierre Tchernia, il est mort. Guilux, non. Il est mort aussi. Quelqu'un qui a été hospitalisé hier. Quelqu'un qui a été hospitalisé hier et qui... Un homme politique ? Si je vous en parle, c'est parce que ça va, il va pas mourir. Âgé quand même, oui. Un homme politique ? Pour avoir été dans un album d'Astérix en 79. Bien sûr. C'est pas M. Pokora, vous voyez. Bien sûr, j'ai compris. Merci, Laurent. Je sens que... Il me parle comme si j'étais une gourde. Non, mais ça fait plaisir. Voilà. M'en fous, je t'emmerde. Voilà. Non, mais enfin. Non, mais. Il a un ton. Il est poli hors antenne. Dès qu'il est à l'antenne, bang, bang. Mais vas-y, Coco, tu parles. Alors, c'est Balladur. Hein Balladur, non. Laurent, c'est un acteur. Un acteur, non. Un homme politique. Un homme politique. Un homme politique, non. Peut-être vous devriez trouver déjà dans quel album d'Astérix ça pouvait être. Ça peut vous aider. Chez les Belges. Oui, bravo monsieur Gueluc. Astérix chez les Belges en 79. C'est un Belge. Et donc c'est un Belge. C'est un Belge, c'est Adamo pas, qui a été hospitalisé c'est hier. Pas Raymond Goutal. Adamo non. Non, lui il a déjà été hospitalisé. Bah, peut... précédemment mais il va bien. On a le droit de se faire hospitaliser deux. Attendez, un Ah, c'est vrai. Même si on est même si on n'est pas belge hein, d'ailleurs, hein, t'as le droit de te faire hospitaliser. Parce que autrement hein. Oui, mais... hospitalisé une fois. Je sais qui c'était un copain du Bard et c'était il avait un nom C'était un chanteur. Oui, c'était un chanteur. Ah non, c'était pas un chanteur. C'était un écrivain, non ? Un écrivain, non. Ah, alors c'est quoi ? Un journaliste ? Oui, peut-être le Belge le plus connu dans le monde. Oh merde. Ah, c'est Magritte. Celui qui fait du vélo. Oui. Et qui met... Bonne réponse de Valérie Mérès encore. Alors Eddy Merckx a été hospitalisé ? Eddy Merckx est tombé de vélo hier. Oh, il faut lui mettre les petits trous alors. Il a 74 ans, Eddy Merckx. Oh, c'est pas vieux, et il sait toujours pas faire du vélo. Et... Et cette question concerne le 350e anniversaire de la célèbre pièce de Molière, L'avare. Eh oui, L'avare, la pièce de Molière, fut créée en 1668. Voilà donc une pièce qui a 350 ans déjà. Je vais pas vous faire l'injure de vous demander évidemment le nom de l'avare, ça tout le monde le connaît, ouais, hein, c'est Harpagon. 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 Mais comment s'appellent les enfants de l'avare ? Oh mon Dieu. Valère ? Non. Cléante ? Oui, Cléante, oui. Cléante. Nectar et glouglou. Cléante, ça en fait un, non ? Valère, c'est le... Justement, alors Valère, c'est le fiancé de la fille. Ouais, ouais, c'est la fille qu'on cherche. Et oui, on cherche Valère. La fille. Harpagon, il a Cléante. Clitandre. Non. Chion ça commence par quelle lettre ? Comment ça, ça commence par quelle lettre ? Ah oui, là, tu pourrais le dire. Elle est pas aussi folle. C'est vachement dur à trouver. Tu pourrais donner la première lettre, quand même. Ça finit par pine, en tout cas. Ça, ça commence par un Z, comme zombie. Ah mais non, mais moi, j'avais un client un jour dans ma pharmacie qui me dit « Mme Roselyne, je voudrais un médicament qui se termine par bit. » Alors je cherchais dans mes rayons et « Ça y est, j'ai trouvé, c'est de l'antigrippine. » Ah oui. Mais c'est une histoire vraie. Hein. C'est drôle. Non, alors bon, vous avez Frosine dans la barre. Voilà, Frosine. Vous avez Marianne que Harpagon aime évidemment. Et c'est le problème, c'est qu'il est amoureux comme son fils de la même jeune femme qui s'appelle Marianne. Mais il a aussi une fille qui elle effectivement a comme amant Valère. Mais Valère n'est pas le fils d'Harpagon, c'est Cléante. Cléante est donc la fille d'Harpagon. Ça y est, je suis paumé. Ah bah non mais une sœur. C'est très simple. Faites le résumé de ce que je viens de dire, Jean-Phi. Oui, bah c'est une histoire de famille, si tu veux.
Oui. Non, mais un résumé plus précis, voyez-vous. Oui, alors, Cléante, qui est une fille d'Harpagon. Mais non, c'est un garçon, Cléante. Mais c'est moi, ce qu'il te dit, c'est une histoire de famille. Je les confonds tous maintenant. Hein. Valère. Oui. Tu confonds avec ta famille. C'est Valère, la fille d'Harpagon. Non, Valère, non, c'est un garçon. C'est un garçon. Bah Cléante, c'est une fille. Oui, quelle est la fille là? Filante. On cherche. Valère et Cléante sont des garçons. Cléante, c'est le fils d'Harpagon. Valère, c'est le fiancé de la fille d'Harpagon. Il vous manque le prénom de la fille d'Harpagon. Filante. Filante. Non, mais non, je ne dirais pas par quelle lettre ça commence. Et pourtant, Dieu sait que cette lettre est connue. C'est peut-être même la plus connue des lettres. Le cul. Non. La plus connue des lettres. Élise. La plus connue des lettres. Élise. Élise. Oh. Excellente réponse de Titoff. C'est moi. Quoi? Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi t'as plus connu des lettres. Ben on est tellement étonné que même quand je donne une bonne réponse ici, on dit c'est pas moi, on dit Titoff. Mais non, c'est pas Titoff, c'est moi. Surtout confondre mon accent avec le tien. C'est vous qui avez dit lettre à Élise. Oui, bien sûr. Vous pouvez même me fredonner la lettre à Élise. Arrête. Merci de nous faire aimer la musique. En tout cas, effectivement, les enfants d'Harpagon sont bien Cléante et Élise. Double bonne réponse, signé Jean-Phi Janssen. Bravo. Merci. Vous savez qu'aujourd'hui sort le film Le Facteur Cheval, avec Jacques Gamblin dans le rôle principal, le rôle titre du Facteur Cheval, hein, ce facteur un peu fou qui a mis plus de 30 ans à construire son palais idéal. Ça se passe à Haute-Rive, hein, dans la Drôme. On peut aller voir ce monument historique aujourd'hui. Il paraît que le film est très réussi, d'ailleurs que Gamblin est très bien dans le rôle du Facteur Cheval. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est amusant, on va aller voir sur Wikipédia, c'est comment je suis, hein, j'aime bien faire des petites recherches. Il fouine. Et quels ont été les facteurs célèbres dans notre pays? Ah, les facteurs. Alors, c'est vrai que dans la liste des facteurs célèbres, il y a évidemment le facteur cheval, Ferdinand Cheval. Oui. Le film sort aujourd'hui. Il y a aussi Olivier Besancenot. C'est vrai bon, il n'a pas pu terminer sa construction, la Révolution. Mais quand même, lui, des palais, il voudrait plutôt les détruire que les construire. Et puis, alors, il y a un autre facteur. J'avais oublié, moi, qu'il était facteur. J'ignorais même qu'il fût facteur. Mais il y a un autre facteur célèbre en France, toujours vivant, d'ailleurs. Je vous aide un peu. Alors, il avait une autre profession, il était connu pour autre chose. Connu pour autre chose. Un artiste ? Un artiste, non. Un facteur de discorde ? Un politicien ? Un politicien, non. Il a fait du spectacle ? Pardon ? Il a fait du spectacle ? Non, il n'a pas fait du spectacle. Un sportif ? Un sportif, oui, monsieur. Ah. Alors, est-ce que c'est un sport collectif ? Non, monsieur. Ah. Jacques Anquetil ? Jacques Anquetil, facteur, c'était bien, mais alors, je vais vous apprendre une mauvaise nouvelle. Il est mort. Valérie, il est mort. Ah oui, c'est vrai. C'est un cycliste ? Ah oui, il est vivant. Et là encore, Raymond Poulidor termine deuxième parce que lui est toujours vivant. est-ce que c'est un cycliste ? Un cycliste, non. Ah. Il faisait de l'athlétisme ? Il en fait encore. Enfin, il en fait plus quand même, là. Il est vieux, ce monsieur ? Ah non, il est toujours vivant. Kevin Mayer ? Ah, est-ce que ce n'est pas le vieux monsieur qui fait de la bicyclette, qui a près de 100 ans ? Non, on vient de vous dire que c'est de l'athlétisme. Et que c'est pas du vélo. Ah bon ? Alors, attendez, c'est quelqu'un qui en fait encore ? Oui. Il court ? Il saute ? Alors, il court, il saute ? Non. Dans l'athlétisme, il y a le lancer de poids. Exact. Oui. Attendez, on connaît un lanceur de poids ? Mais il y a très peu de facteurs de poids, de lanceurs de poids dont on connaît le nom. Donc c'est pas un lanceur. Il fait du relais, c'est-à-dire. Ben il court, il s'arrête à un endroit, il y a un autre mec qui reprend la suite. En même temps, c'est de la course. Est-ce qu'il lance quelque chose ? Il ne lance rien. Est-ce qu'il a gagné aux Jeux Olympiques ? Oui, il a eu des médailles. Celui qui fait du saut en hauteur là. À la perche. C'est le perchiste là, la Villénie. Non, c'est pas la Villénie. Bon. Remarquez, je suis en train de me demander, hélas, il a eu des médailles aux championnats du monde. Mais il a pas eu le. Mais pas de titre olympique. Mais vous êtes sûr qu'on connaît son nom ? Ah oui, tout le monde le connaît. Pierre de Coubertin. Ah non. Jean Galfionne, non. Est-ce que le patin fait partie de l'athlétisme ? Non, ça ne fait pas partie de l'athlétisme. C'est pas pratique. C'est bon pour commencer par là. Oui, le patin. Le patin à glace, tu veux dire, ou le patin à roulette ? Parce que le patin,
Oui. Tu sais dont on sert pour faire le ménage, enfin quand on a fait le ménage. Ah oui. Peut-être pour marcher comme ça, ça pourrait, on pourrait le faire. Mais attendez, on n'a toujours pas trouvé ce qu'il fait exactement quand même. Ce n'est pas le javelot. Je sais pas. Ce n'est pas le javelot. Il creuse des trous, je ne sais pas ce qu'il fait. Moi. Dans l'athlète. Il chronomètre. Enfin, non. C'est un commentateur peut-être. Un commentateur, mais on aurait un facteur commentateur. Pas Patrick Montel. Patrick Montel. Il a une tête de facteur. Mais non. Nelson Montfort. Ah, Lionel Chamoulot. Mais non. Il saute des haies. Non, il saute mais non, pas. Il saute pas. Il court pas. Ah, il saute dans le sable. Là, il court, il y a le sable. Il court pas. C'est Philippe Croizon. C'est un boxeur. Alors la boxe, Monsieur Bénichou, ne fait pas encore partie de l'athlétisme. Il ne fait pas partie de l'athlétisme. À part pendant les manifestations. Ouais. Est-ce qu'il soulève des haltères? Mais vous connaissez beaucoup d'haltérophiles connus. Non, justement, il y a. Non, non. Mais alors attendez, on a. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'athlétisme? Oui, il y a des gros monsieur avec deux grosses boules comme ça. Ouf. Franchement, Ariel, elle est chaude ce matin, elle est chaude. Oui. C'est après. Non, mais c'est vrai, mais on dirait qu'ils sont démodés, on n'en voit plus beaucoup. Non, Cerdan, non. Mais non, c'est un boxeur. Ah non, on n'avait pas fait toute la liste. Vas-y, athlétisme. Vous en oubliez. Tir à l'arc. Très important, le tir à l'arc, c'est pas de l'athlétisme. Le triathlon. Le triathlon non plus. Il y a une seule activité, il y a pas. Le triolisme. Ah bah, on saute et on court. Hein. Bah, il y a trois trucs. Où vous en êtes d'ailleurs sexuellement, mais là. Je suis toujours vierge, mais je comptais sur Jacouille pour me. Hein. C'est Pierre, ça? Ouais. On peut pas les empêcher de rêver. Hein. Bon, alors attendez. Ariel, vous trouvez ça bien que cette jeune fille, quel âge vous avez, mais là. Là, je viens d'avoir 27, ça commence 27 à faire. Ans. Oh. Vous trouvez pas que c'est un peu exagéré d'être encore. Quand c'était Britney Spears, vous étiez content, hein. Moi, je trouve que c'est très érotique, justement. Comme dans les liaisons dangereuses, Chauderlot de la Clos. Exactement. Il faut garder sa virginité. Voilà, je l'ai dit en carrière. Et que Chauderlot. Ça vaille vraiment le coup. Moi, j'en ai pas connu, moi. De quoi? Depuis des vierges. Ah bon? En voilà une, monsieur Pierre, justement. Voilà, de 27 ans. Au moins quelques conseils, quelques tuyaux, enfin un tuyau, quoi. Non. C'est pas du tout mon style. Ah ouais, parce que tu crois que t'es mon style, toi? J'ai voulu être gentil. Il m'a dégagé. Bon, dites, mon athlète. Ah oui, bah écoutez, on n'a pas trouvé le sport, donc. J'ai entendu, tu vas dégager. Non, tu m'as dégagé, tu m'as recalé. Moi, je trouve qu'il vaut mieux rester vierge dans la tête. Ah bah, ça passe. Ah bah, y a que là que vous êtes resté vierge. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui est rentré dedans. C'est sûr qu'il n'y a pas eu beaucoup de visites. Depuis le temps que je te vois. Écoutez, franchement, mais je sais pas. Dans l'athlétisme, oui. Quand on ne court pas, oui. On ne saute pas, on rampe, on marche, monsieur. Et voilà, la marche. Johan Diniz, pardon. Johan Diniz. Et Johan Diniz, c'était le facteur qu'on cherchait. Bravo. Bah, trop tard. Alors. Mais c'est trop tard. Bah, bravo. Ah oui, bon, d'accord, oui. C'est les marches ridicules en roulant du cul, là. Il est triple champion d'Europe du 50 km marche et il a été champion du monde en 2007, champion du monde ensuite en 2017 à nouveau. Il détient le record du monde de 50 km marche avec le temps de 3h32 minutes 33 secondes. Et on le connaît, effectivement. Tout le monde connaît Johan Diniz, qui est facteur, lui aussi. Et donc, pardon, mais pour être dans, dans la génération athlétisme, il faut marcher, mais marcher 50 km, sinon on n'est pas dedans. Elle est conne. Non, mais 50 km. On dit pas d'Ariel Dombal, elle est conne. Elle est conne. C'est Ariel Dombal. Et on ne m'a pas prévenu. Ah bon? Elle est adorable. Il se rattrape. Elle est adorable. Tu crois qu'il n'y a qu'une distance de 50 km? Mais non, mais quand est-ce que ça devient athlétisme? Quand est-ce que ça devient un sport? Bah, quand on est facteur et qu'on doit marcher très très vite pour aller aussi vite qu'un mail. Ça, je comprends. C'est ça le problème des facteurs aujourd'hui. Il va sûrement plus vite à pied qu'à vélo, hein, Johan Diniz, pour le coup. Donc c'est presque courir, mais ça marche. Non, non, il marche. Ah, voilà, joli résumé. Non, mais c'est très... Oui. J'aimerais qu'on joue la scène, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ah, oui. Parce que je vois un Jean Valjean qui serait après Harry Bore, après Jean Gabin, après Lino Ventura. S'il y a bien quelqu'un qui peut jouer Jean Valjean ici, regardez. Ah oui, c'est Pierre Bénichou. Ah, oui, c'est, oui, il a la force. Ouais. Et je vois Petit Gervais, Gad Elmaleh. Oui, je pense à ça. Avec sa petite casquette.
Je pense que vous pouvez jouer petit oui, Gervais. Le petit Gervais avec un t-shirt Habébé. Et je pense... dis donc, petit gars, tu vas me lâcher ? Je te dis que je l'ai pas vu ta pièce de 40 sous. Petite ambiance, tout ça. Je fais. Ah, c'est l'acteur la studio. On est dans studio. Les rues de Paris. Là, il y a Blanquette qui arrive. Vitrier. Hé, Moulin. Hé, mon petit loup, t'as 5 minutes. Tu vois, mais tu vas me lâcher avec cette pièce de 40 sous. Elle aura roulé loin de moi. Elle est sous votre pied. Tu vas laisser mes pieds tranquilles, espèce de petit. Elle est sous votre pied. Eh ben, fais-moi lever le pied, tiens. Ah. Non, mais je suis en train de niquer Vincent de Carrière, moi. Une question maintenant pour Sylvain Aznar, qui habite Montpellier. Tout le monde a peur du tomodensitomètre, et pourtant, évidemment, si on l'appelait ainsi, peut-être qu'il ferait moins peur, puisque on le connaît sous un autre nom. Lequel ? L'alcotest ? L'alcotest, non. C'est médical. C'est médical. C'est pour mesurer quelque chose ? Le tomodensitomètre, ça ne mesure pas vraiment quelque chose. La tension. C'est pour faire un test ? C'est pour faire un test. Est-ce que c'est lié à un test mammaire, par exemple ? Mammaire, ton père. C'est pour le proctologue ? Oh non, c'est pas proctologue. C'est pour le diabète ? C'est pour mesurer l'insuline et tout ça, non ? Non, mais... C'est pour repérer quelque chose, en tout cas. Ah oui, ça, de toute façon, le tomodensitomètre, c'est le... Ah, c'est pour repérer quelque chose ? C'est pour les yeux, non ? Pour les yeux, non. Est-ce que c'est lié au sang ? Au sang aussi, tout ça en même temps. Ah, c'est pour trouver un virus ? Ah, c'est un check-up. Mais moi, j'ai déjà fait ce truc. C'est pour l'MST ? Non. Quand on vous prend la tension ? Non. La tension, non. Un thermomètre ? Un thermomètre, non. C'est le truc pour écouter le cœur, là, non ? Non, le stéthoscope, voilà, vous voulez dire, non ? Voilà, merci. Non. Ça fait pas peur, un stéthoscope. Un IRM. Ah ! Un IRM. Un scanner. Oui, un scanner. Un scanner. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, le scanner. Le vrai nom du scanner, c'est le tomodensitomètre. Enfin, les deux font peur. Ah, les deux font peur. Oh, merci, je comprends pas les gens qui ont peur du scanner. Ah, ça fait on a peur du résultat, surtout. Mais oui, parce que moi, j'en ai encore passé un cette semaine-là, un scanner. J'en fais régulièrement des scanners pour vérifier. Vraiment, et vous n'avez pas... Attention, vous hein, faut pas en faire trop, hein. Comment ça ? Ah ben les radiations, mon ami. Il faut pas en faire trop. Mais oui, on va le perdre plus vite que prévu. Il va nous faire un petit cancer. Pof. Non, il va nous faire Tchernobyl. Ah, non, mais il y a des vraies radiations. Les radios, etc. C'est pas systématique, hein. Parce que vous prenez des taux de radioactivité dans votre corps. Je prends des taux de radio. Croyez-moi, Europe 1, ils en rêvent. Sinon, on en fait tout le temps. Mais c'est nocif d'en faire trop. C'est nocif dans sa tête. Mais tout le monde a peur du scanner. Mais non, on n'a pas peur du scanner. Moi, j'en ai mais jamais si, parce que je vous jure, j'ai du mal à comprendre. Mais si. On est d'abord immobilisé, on a cette espèce de grand truc comme ça. Moi, j'en ai pris qu'un. De toute façon. Et en plus, on a peur qu'on vous oublie. Mais oui. Non, moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment ce taux de radiation. Dès que je vois une gueule de médecin, je me dis, c'est lui ou moi. Pourquoi vous n'aimez pas les médecins à ce point, Pierre Bénichou ? Parce qu'ils m'ont fait mourir les gens que j'aime. Oh ! Ils ont guéri ceux que tu détestais. Ils en ont sauvé quand même. Ouais, c'est vrai. Vous-même, ben, si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est quand même grâce au médecin, Pierre. Ben, c'est pas grâce à toi. Il a fallu sortir du scanner. Hein. Est-ce bien raisonnable ? Non, c'est vrai que j'aime pas les médecins. C'est lesquels les pires, selon vous ? Quelle corporation, plus c'est haut. L'infirmier a une chance d'être sauvé par moi. Mais le professeur de médecine, là. Rien que ce matin, j'en ai fait 6. Ah, il l'appelle l'herpès, Pierre, il se leur file. C'est-à-dire qu'ils ont peur quand ils vous voient arriver, les médecins aussi. Il y a du boulot, hein. Ah, ils disent, on peut plus rien faire, monsieur. Ils disent, c'est grave. Ils disent, c'est pas grave. Non. Mais ça veut dire quoi, là ? Il fait le pistolet. C'est le bruit des balles. Il est bruiteur professionnel. Ah bon ? C'est des picouses ? Non, il essayait de faire des balles de pistolet parce qu'il va tuer le médecin, en fait. Non, mais il y a une très belle phrase, mais très grave, qui est « Laissez-moi mourir de ma propre mort et non pas de celle des médecins. Wow. » Je dors déjà. Non, mais écoutez... J'en reviens au scanner, au tomodensitomètre, puisqu'on apprend aujourd'hui que c'est ainsi qu'on doit l'appeler normalement. Je peux comprendre que on puisse avoir des craintes si on sait qu'on a quelque chose qui vous pend au bout du nez, si j'ose dire. Mais quand on n'a rien. Mais quand on n'a rien, on n'en fait pas. Mais si, c'est un examen de contrôle. Mais on n'a jamais fait ça, moi. C'est ce qu'il y a de pire, ça. Pourquoi ? Figure-toi, j'avais rien. Et ils m'ont trouvé un truc. Le médecin me dit, on va contrôler
Mais ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui me prouve ? Triple cancer du cerveau, des couilles et de la tête. Ça fait beaucoup, c'est pas grave, il y a plus rien qui servait. Ça va faire beaucoup en même temps. Mais vous plaisantez, docteur ? Il m'a dit, va chier. Là, là. Ça recommence. Admettons, non mais admettons que les résultats, ça puisse faire peur. Mais l'examen en soi, c'est rigolo. On a, on a l'impression de passer, on a l'impression de passer mis au micro-ondes au bout de 30 secondes. Ça sonne cling dans un four à pizza. Et puis quand on t'appelle, tu peux dire je passe dans un tunnel. Hein, tu vois, là. Mais non, parce que vous connaissez pas le pire. Ah, c'est l'IRM. Pourquoi? Ah mais voilà, moi je parlais de l'IRM. Ah oui. Ah bah c'est sûr. Nous, dès qu'on a un peu de sous, on se fait faire des IRM. on lève le scalaire aux paumés comme vous. Non mais l'IRM. Tu vas faire une IRM aujourd'hui avec c'est... Ça c'est sûr qu'Ariel a plus souvent été à l'IRM qu'au RMI. Ouais. Hein. Non mais ça fait pas peur tout ça. Si, ça fait peur, non, c'est non. Comme un espèce voilà. De cercueil. Enfin, ça fait peur, mais je comprends pas pourquoi. Moi je trouve. Moi j'ai pas peur de la mort. Moi je trouve que c'est des petits tests. Oui. On est tranquille, c'est comme aux toilettes, on est peinard, personne vient nous emmerder dans un scanner. Puis ils sont là derrière vous à vous dire ne craignez rien, on ne est là. Ne respirez plus. Oui. Mais écoutez, vous n'allez pas me croire, mais la dernière fois, je n'en ai fait qu'un dans ma vie, j'ai eu très très peur. Mais t'es bête. Et on tu devrais dit, recommencer. Ça dure 20 minutes, voilà. C'est long, même pas. 20 minutes, mais on vous sangle et puis ça fait clin. Mais t'es tellement ouais, t'es pas sanglé. Mais comment ça on vous sangle pas. Si parce qu'elle bouge. Elle est partie où? Non, mais vous avez peur de pas la voir. Non mais je pense qu'Ariel elle est tellement fine, ils l'ont foutue dans une photocopieuse. Les médecins se l'envoient par fax. Mais oui. Comment ils osent dire? Ils l'ont scanné vraiment, mais avec une imprimante. 20 minutes, c'est pas long. Oui. Mais une minute, dit... c'est trop long. Voilà, voilà. Il y a ce bruit minute, comme ça. Et puis on se dit que vraiment, on ne peut pas sortir de la machine. Et d'ailleurs, moi, j'ai demandé... Et pourquoi on pourrait pas sortir de la machine? On est allongé, ouais. Ça fait un peu mais de non, bruit. Mais non, Pascal, il l'attache. Mais oui. Non, mais elle s'est trompée de machine. Non. Non, c'était dans un bar spécialisé. T'as confondu avec une cabine à UV. On a une espèce de truc en acier comme ça. Ça, on peut pas se lever ni s'asseoir. Elle est tellement fine, elle s'enfuit partout. Bon, mais en tout cas, en sortant de là, j'ai dit oh là là, mais ça fait peur et tout ça. Mais est-ce que ça vous arrive d'en oublier dans la machine? On m'a dit oui, ça nous est arrivé une fois. Une dame a passé toute la nuit dans la machine. Ils oublieront. Ils ont fini par trouver ce qu'elle avait. Ils oublieront plus facilement toi que Gérard. Tout en camion, ça fait 1000 ans qu'ils ont bien un scanner. Bah, elle a été oubliée, elle avait ses courses et tout ça, elle a pu manger. Elle n'a pas été réveillée par les... Ça s'est arrêté de tourner au bout d'un moment. Non, mais moi, je voulais rassurer nos auditeurs à qui on dit qu'il faut passer un scanner. Eh ben, oui. C'est pas si grave. C'est très grave. C'est épouvantable. C'est horrible. Mais non, c'est pas horrible. Mais souvent, ça rassure plus, d'ailleurs. Ouais, un mec qui me dirait, je vais vous étonner, il faut passer un scanner. Question, et cette fois, ce sera une question zoologique pour faire plaisir à notre ami. Merci Laurent. Laurent Baffy. On va parler de toi maintenant. Pour Christophe. Pour Christophe Stein, qui habite Dombasle sur Meurthe. Non, il habite chez Dombasle. C'est en Meurthe et Moselle, Dombasle sur Meurthe. Quel est le nom plus commun de la tipule des prairies? L'araignée? L'araignée, non. La musaraigne. Le mille-pattes. La tipule. La tipule. La faucheuse. Comment vous dites? La faucheuse. La faucheuse, non. Le perce-oreille. Le perce-oreille, non. Les champignons? Non. Le gendarme? Non, c'est zoologique, j'ai dit. Hein. Mais les champignons, c'est un animal? C'est un mélange? Oui, les champignons, mais moi, j'en ai adopté plein. Les champignons. Tu regardes trop les champignons. Je dis champignons. Je veux bien que vous les ayez vus grandir sur vous, mais quand même. Bon, alors non, c'est pas les champignons. Est-ce que c'est pas l'éphémère? La tipule des prairies. C'est les sauterelles. Une musaraigne. Une musaraigne, non. C'est un insecte? Un insecte. Oui. Une sauterelle? Une sauterelle, non, on se rapproche. Un crapaud? Ça saute? La cigale? Un mille pattes? Alors, non, ça n'a pas mille pattes, ça a de très longues pattes. Ah, c'est la menthe religieuse? Non. C'est la tipute? C'est comme le faucheux? Qu'est-ce que vous avez dit? La tipute? Non, pas la petite pute. Ça saute? Ah, la petite pute des prairies!
La Belle des Champs. Ça saute. Non, c'est pas... ça saute. Oh, la petite pute des prairies, ça saute. Mais, mais la tipule des prairies, non, ça vole, la tipule. Ça vole. C'est pas la libellule. C'est pas la libellule. Ce n'est pas la libellule. C'est la mouche. C'est pas la mouche. Le cousin. C'est le cousin. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est en effet un moustique qui n'est pas un moustique piqueur. Non, non. Hein, celui-là. Le cousin ne pique pas. Enfin, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Il a un gros dard, il t'encule. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Il a un gros dard, il t'encule. Hein. Il t'arrive dessus, vous, comme ça. C'est gros un cousin. Ah, mon cousin, oui. Vous, vous couchez entre cousins, vous. Non, mais il n'y a pas de cousin piqueur, mais il y a... Des cousins péteurs. Des cousins péteurs. Une question pour Thomas Turillon, qui habite Mouscron, en Belgique, qui a dit « Le sabre dans une main, le goupillon dans l'autre, Jeanne d'Arc sut brandir jusqu'à la mort les deux symboles phalliques pour protéger à jamais la fleur impénétrable qui se fanait dans sa culotte d'acier trempé. » Oh, oh, oh. Oh, c'est Frédéric Dard, non ? Frédéric Dard, non. Pierre Desproges ? Pierre Desproges. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Jean-Claude Petithomme qui habite Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne, qui a dit « Pourquoi n'y aurait-il pas de vie sur les autres planètes ? Il y en a bien à Châteauroux. » Jean Carmet. Depardieu. Depardieu, non. Jean Carmet, non. C'est vivant ? C'est vivant. Un garçon de Châteauroux ? Non, il n'y a pas du tout de Châteauroux. Non, non. Non. C'est un humoriste. Il fait de la scène. Il fait de la scène, c'est un humoriste, un acteur. C'est pas Denisot. C'est pas Denisot. Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse. De Bernard Mabille. Plus compliqué, la citation pour Agathe Hiron, qui habite Londres. À qui doit-on cette définition ? Un enfant, c'est un fruit qu'on fit. Oh, c'est joli, ça. Ah, c'est joli, ça. C'est une femme ? Non, c'est un homme. C'est quelqu'un qui jouait beaucoup avec les mots. Ah oui. Connu pour ça. Oui. Légaré ? Pierre Légaré, non. Francis Blanche ? Ah non, c'était effectivement un chansonnier, un acteur, un humoriste, un caricaturiste. Il est mort à 87 ans dans les années 80. Dazu ? Dazu, non. Noël Noël ? Noël Noël, non. Faisan ? Jacques Faisan ? Jacques Faisan, non. Jean Amadou ? Jean Amadou, non. Français ? Ah, il était français, chansonnier ? Oui. Chansonnier. Il est mort dans quelle période ? Il est mort en 1992, hein, je vous ai dit les années 90, mais si vous voulez la date précise. Il était de la télé, il était dans la boîte aux selles. Le 6 mars 92. Léo Campion. Léo Campion, bonne réponse de Bernard Mabille. C'était le fils de Taparlo. Oui. Une citation pour José. Léo Campion, c'est le mec de la grande roue. Non, c'est Marcel. Voilà. Et la Ligue des Champions, c'est le foot. Je vous remercie, Valérie, pour vos interventions. Une citation pour José Champion, maintenant, qui habite Chamouillet, en Haute-Marne, qui a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » Oh, ça, c'est bon. Ah, c'est un peu notre cas, finalement. Ouais, c'est pas un gars de la RATP. Hein. Quelqu'un qui est mort ? C'est un auteur. Ah, ça, je vous confirme qu'il est mort. Oui. Un auteur. Un auteur. Oui. Mais... Français. Confucius. Et c'est Confucius. Oh, bonne réponse de Gérard Jugnot. Ah, il est bon, ce Gérard. Une citation maintenant pour Laure Baucher, qui habite Saint-Agnan, en Charente-Maritime, qui a dit « Le plus pénible quand on vieillit, c'est de se sentir encore jeune. » C'est bien vrai. C'est une dame. Non, c'est un homme. C'est un homme. Qui est mort ? Un homme qui est mort, oui. Qui est français ? Ah non, il n'était pas français. Ah. Oui. Churchill. Churchill ? Churchill, non. Mark Twain ? Mais il est anglais. Alors, anglais, non, mais du Royaume-Uni. George Bernard Shaw ? George Bernard Shaw, non. Mark Twain, non ? Non, non, non. Irlandais ? Irlandais, non. Non. Écossais. Ah. Walter Scott ? Walter Scott, non. Sean Connery ? Sean Connery. Il est vivant, Sean Connery. Mais oui. Black and White ? Non. Le mien est mort, là, si j'ose dire. Il est mort il y a très 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 longtemps. Il est mort en 1884. Ah, McCulloch ? Ah oui, il est très long. Ah, pardon, 1894, je ne voudrais pas vous... Ah oui, tout de suite, là, moi, ça m'a déjà enduit en erreur. C'était un guerrier ? Un guerrier, non. Un roi. Un écrivain. Un écrivain, oui. Grand écrivain. Somerset Maugham. Non. Kipling. Non. Il a écrit des trucs connus, quoi. Enfin... Il est mort aux îles Samoa, vous voyez, dans les îles Marquises. Le fait qu'il soit mort dans des îles peut peut-être vous donner une... Conrad, Joseph Conrad. Une petite indication. C'est un grand voyageur.
C'est un navigateur. Regarde Kipling. Wellington. Kipling, non. Hemingway. Hemingway, non. Wellington. Wellington, non. Olivier de Kersauson. il a un grand livre en référence ou un grand chef-d'œuvre. Alors écoutez, au moins deux. Ah bah Joseph Kessel. William Dafoe. Même Artus. William Dafoe. Il a arrêté de chercher. Lewis Carroll. Mystérieuse. Lewis Carroll, vous avez dit. Oui. Non. Charles Dickens. Charles Dickens, non. Il a écrit L'île mystérieuse, L'île au trésor. L'île au trésor. Stevenson. Stevenson, Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, bonne réponse du trio Mabi, Gazan, Junio. Je dois dire, il faut le signaler aux auditeurs de RTL qu'aujourd'hui nous sommes filmés par Paris Première et les maquilleuses ont fait un travail exceptionnel pour la télévision. Elles sont sur qui? Elles ont fait un devis à Chantal avant. Elles sont très belles. Moi je suis arrivé en même temps que Chantal, il était à peu près midi, hein, vu qu'il y avait quand même eu un peu de boulot, mais franchement, ils ont bien travaillé. Quand j'ai vu les échafaudages, j'ai fait demi-tour. Très impressionnant. Où est la caméra? Elles sont partout, les caméras. Elles sont partout, alors vous pouvez y aller. Y a pas non, par contre, elle est très pénible avec les coiffeuses. Elle dit attention, bon là je veux pas qu'on voit ma raie, là j'ai un épi. Non, mais ça c'est encore autre chose. Elle a vraiment les cheveux longs alors. Hier soir, nous nous sommes rencontrés dans une soirée privée avec Karine Lemarchand. Dans votre théâtre. Au théâtre Antoine. Au théâtre Antoine. Je n'y étais pas. Non, c'était quoi? On m'avait dit que vous veniez. Attendez, c'était quoi cette soirée? C'était Arditi Rousseau. Ouais. C'était le titre, vas-y. Être ou ne pas l'être? Oui, c'est ça. C'était très très bien. J'ai oublié le titre. C'était très très bien. J'ai pas dormi. Ça dure très peu de temps, en fait. C'est dur, une heure et quart. C'est très bien. Franchement, ils sont formidables. Je connaissais pas ces acteurs. Et il y avait Karine Lemarchand. Après, il y avait un pot et on a rencontré Dujardin. Il n'avait dû que pour moi. Et t'as pas regardé, hein? Non, dingue, rien. Hein. Ah oui, c'est vrai, Dujardin, vous Maurice Dujardin, hein, c'est le grand-père. Non, c'est pas vrai, il m'a dit que tous les lundis, regardez L'Amour est dans le pré. C'est pas vrai. Si, avec c'est son épouse. Entendu, hein, ah oui. Ils sont accros, oui, mais puis vraiment, c'était sérieux parce qu'ils me demandaient des prénoms et tout ça, ils s'en souvenaient. Ah oui. Et c'est marrant, je les imaginais pas tous les lundis comme ça. Au lit, en train de regarder la télé. C'est un fantasme pour plein de filles. Bah non, mais regarde. Jean Dujardin, c'est un fantasme pour plein de filles. Ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui, il est pas mal. C'est un peu notre clownet. Ah ouais. Ah oui. Faut vraiment qu'il ait gagné du pognon alors. Hein. Ah non. Non, mais il est beau. Il est beau, Georges Clounet. Il est beau, Dujardin. Il est beau, Dujardin. Oui. Il est beau, Dujardin. Tu vois, le goût des hommes n'est pas le même que le goût des femmes. Souvent, il est beau. Bah ça, parfois, si. Non, c'était très sympa cette soirée. Franchement, elle revient là-dessus. Bah, tu l'as pêché du jardin ou pas? Non, mais elle m'a trouvée très belle. Il m'a dit ta coupe te va bien, tu es une nouvelle Chantal. Faut qu'il se fasse opérer de la cataracte. Et vous, Christine, bravo, vous allez bien alors? Ouais, je sais plus ce que j'ai fait hier. Parce que je vous ai vu arriver, dites donc, c'était. Bah, comme avant-hier, rien. Je vous ai vu arriver, vous n'étiez pas dans un bel état quand même. Non, il faut vraiment remercier les miracles de la télévision. Non, mais n'en croyez rien. J'arrive en moto, donc j'ai un casque. Donc quand on retire le casque, on est un petit peu ébouriffé. Ah oui, oui. Mais c'est tout. Mais avant de mettre le casque, t'étais déjà ébouriffé. Ah non. Non, mais tu vois, t'es reposante comme fille. Tu n'as pas la pression parce que t'es moche, donc t'arrives, t'es moche. Donc on n'a pas la pression. Ben, je crois qu'il est temps de passer pour mettre tout le monde d'accord à une première citation. Et la citation vaudra peut-être 300 euros à monsieur Frédéric Gauthier qui habite Sainte-Soule en Charente-Maritime. Ah, Sainte-Soule, c'est la ville de Christine. Non, Jean-Jacques. Voici la citation. Et d'ailleurs, c'est plutôt, je dois le dire, une citation pour Jean-Jacques Perroni, soyons clairs, qui a dit « J'ai porté le même costume et répété les mêmes dialogues pendant 6 ans. La seule chose qui changeait, c'était le titre du film et le nom de l'actrice principale. » Jean Dujardin. Non, Jean Dujardin, non. Un vieux français mort. Oui, Oui, français, non. Ah. Vieux quand on est mort, oui. C'était un vieux monsieur mort. Américain. Chaplin, non. Est-ce que vous pouvez répéter la phrase? Je n'ai pas entendu complètement. C'est la télévision qui me trouble. Cher Chantal, voici la phrase que je vous répète rien que pour vous. Christopher Lee? Christopher Lee, non. J'ai porté le même costume et répété les mêmes dialogues pendant 6 ans. La seule chose qui changeait, c'était le titre du film et le nom de l'actrice principale. John Wayne. John Wayne, non. C'est un pochetron. Un pochetron, non. C'est un cow-boy. Pourquoi vous dites un pochetron? Parce que vous avez dit c'est pour Perroni. Oh, enfin, non, c'est parce qu'il aime les westerns. C'est quelqu'un qui Laurel et Hardy. Quelqu'un qui joue dans des westerns, oui. Laurel, Gary Cooper, non. Rock Hudson. Rock Hudson, non.
Montgomery Cliff. Qu'est-ce que vous dites? Montgomery Cliff. Richard Widmark. Non. Robert Mitchum. Robert Mitchum, ah, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre citation pour Sylvie Mallard, qui habite l'Isle-Adam dans le Val-d'Oise, qui a dit « Les enfants croient au Père Noël, les adultes votent ». Ah, oui. Ah, Cavana. Homme politique. Cavana, non. C'est français. Homme politique. C'est français, politique. Charlie Hebdo. Non. Quoi, Charlie Hebdo? C'est quelqu'un de Charlie Hebdo. Eh ben oui, Charlie Hebdo, c'est pas un monsieur. Hein. Je sais que Charlie Hebdo c'est pas un être ne humain. Parle pas. Qu'est-ce qu'elle est con. Mais qu'est-ce que. Mais enfin, c'est incroyable. Il a dit Cavana. Donc je demande, est-ce que c'est quelqu'un de Charlie Hebdo? Alors faites vos phrases en entier, vous voyez. Oh, mais enfin, je pensais que vous pensiez, que vous compreniez, qu'on se comprenait sans avoir besoin de faire des phrases. Bon, bah, alors si, mais effectivement, on se comprend sans avoir besoin de faire de phrases, alors ne dites rien. Est-ce que c'est mort? C'est quelqu'un qui est mort, oui. Est-ce voilà. qu'il faisait de la scène? De la scène, oui, il en a fait sur la fin de ses. Son parcours. Ah. Mais il n'était pas connu pour mais ça à la base. C'était pas sa spécialité c'est première. Un acteur. C'est un journaliste. Un journaliste. Il a été journaliste, c'est ouais, vrai. Bah, Pierre Desproges. Et c'est Pierre Desproges. Voilà. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qui fut plus jeune ministre à 25 ans et plus jeune chef de gouvernement de l'après-guerre à 38 ans? Jacques Chaban-Delmas. Non. Non. Sarkozy. Sarkozy. Félix Gaillard. Félix Gaillard, non. Pardonnez-moi en la France. Question, mais qu'est-ce qu'on en a à battre aujourd'hui? Pardon. En France? En France, non, mais là, en France, le plus jeune ministre, c'était Mitterrand, 32 ans. Est-ce que c'est en Europe? En Grande-Bretagne. C'est en Europe. En Europe. C'est pas en Afrique noire. Non. En Espagne. En Espagne, non. Est-ce que ce serait pas Mussolini? Mussolini, non. Ah non, c'est quelqu'un qui vit encore et qui est encore en exercice. Ah hein. Vous ne nous le disiez pas. C'est en Europe. Qu'est-ce qu'on mais il Laurent, est toujours en exercice, ce monsieur. Mais ça, moi, ça m'intéresse, monsieur, voilà. Il est toujours la différence en exercice. Entre toi et moi, tu cherchais depuis longtemps, eh bien, c'est ça. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi tu t'énerves d'un coup, toi? Ah, je m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il est trop méchant avec qui moi. Qui est méchant avec toi? Qui est méchant? Gueluc est méchant avec toi? Mais non, parce que je dis à Laurent gentiment, mais on s'en bat un peu les couilles de ton non. premier, de ton premier ministre. On ne le dit pas à son chef, même gentiment, on s'en bat un peu les couilles. On dit pas ça. Il est dans l'actualité. Ah oui. C'est pour ça que vous en parlez. Évidemment. Est-ce que Monsieur Macron lui a rendu visite? Oui. C'est le président d'Allemagne? Non. En Autriche? Hitler? Non. Ah non, mais j'ai honte pour deux grosses têtes ici présentes. En Belgique? Oui. En Belgique? Vous en battez toujours les couilles, Gueluc? Waouh. Disons pour leur plaisir il et pour leur donner Michel. L'exercice. Pardon. Il s'appelle Michel. Et son prénom? Charles Michel. Charles Michel. Premier ministre. Bonne réponse des deux Belges ici présents. Mais alors vraiment, alors on n'est pas fiers, hein. Mais Christine, les Belges. Mais totalement. Et fier de l'être. Mais comment ça se fait? Comme mon ami Gueluc. Mais comment ça se fait? Vous vous souvenez pas quand ça arrive? Quand elle présentait le 20h et qu'elle faisait Madame, Monsieur, bonsoir. Mais alors moi j'étais persuadée que t'es française à 100%. Comment ça t'es belge? Non, je suis navrée de te décevoir. Mais tu ne me déçois pas du tout parce que j'adore les Belges. Mais tu es née en Belgique? Elle est belge. Mais elle va pas jusqu'à être née en Belgique, et surtout jusqu'à avoir des parents belges. Elle est d'origine belge. Non, pas du tout. Mais tu n'es pas née en Belgique. Sa mère avait une bonne qui était belge. Non, mais moi je suis, j'ai un nom alsacien, mais je ne suis pas née en Alsace. Voilà. Non, mais alors, Christine. Voilà, donc on peut imaginer. Christine est née en Belgique. D'ailleurs, quand nous étions enfants, nous jouions dans la rue devant nous habitions au même quartier. Non, j'étais trop jeune. Et t'es née où en Belgique? À Bruxelles, une fois. Ça, alors. Elle est née à Bruxelles, une fois. Je viens de te dire. Mais et t'es arrivée à quel âge en France? Non, mais c'est la police, quoi. Bon, alors ça, tu vois, ça met un coup, on m'aurait hein. dit de quelle nationalité est Christine Ockrent. Grosse j'aurais jamais ça dit. Se voit pas. Oui, mais je pose pas ce genre de questions. Bah non. Mais c'est vrai que ça met un coup. Et tu sais que Pierre Bénichou est d'Afrique du Nord. En tout cas, Charles Michel est le chef du gouvernement ouais. belge actuellement, premier ministre. Oui, et le fils de son père qui était aussi ministre. Oh, c'est pas la peine de la ramener, Christine, vous savez pas la réponse. Qui s'appelait Louis Michel. C'est pas la peine de la ramener. Il s'appelle Louis Belges, Michel. Et je voudrais dire encore une fois, comme je suis désolé, j'ai été invité ce soir, le président Macron est reçu au palais royal. Et voilà pourquoi royal. Je vous pose la question. Absolument. Eh bien, tu vas leur dire, je m'en bats les couilles. Mais non.
Attends, je pense quand même que je pose une question spéciale Belgique, parce que j'ai deux Belges. Ben, on a trouvé, finalement. On a mis du temps à retrouver le nom du chef du gouvernement belge. Plus jeune ministre à 25 ans, plus jeune chef du gouvernement d'après-guerre à 38 ans. Aujourd'hui, maintenant, il en a 43. Monsieur Charles Michel, qui reçoit monsieur Macron. Et c'est la première fois qu'un président de la République française, depuis Pompidou, se rend en visite d'État en Belgique. Vous vous rendez compte, ça, alors? Moi, je pensais que tous les présidents de la République allaient en Belgique régulièrement. Ah, ben, ils y vont très souvent à cause de l'Europe, bien sûr. Oui, mais pas en visite de chef d'État. Non, en visite d'État. Oui, non, c'est impressionnant. Il y a une réception. Réception ce soir au palais royal de Laeken, à laquelle j'étais invité. Et pourquoi? Ah, ben pas moi. Pourquoi, quoi, à quel titre? Oui, à quel titre? Officier de l'ordre de la couronne, monsieur. Ben, alors, un jour, je vous attendez, raconte. Attendez, Christine, peut-être que vous n'avez pas été invité parce que c'est Charlotte qui fait les invitations et ça n'est pas que vous étiez belle. Alors, j'ai vécu dans ce palais royal la plus grande humiliation de ma vie. Figurez-vous qu'on me remet le grade ou le titre d'officier de l'ordre de la couronne. Et donc, on est plusieurs nominés. Il y a des barons, des machins, des trucs comme ça. Et donc, pas encore été anobli? On nous met, non. On nous met dans, moi, j'ai demandé rien en dessous de archiduc ou marquis, mais bon. Et donc, on nous met dans l'ordre d'un... Architrouduc pour l'instant. Et dis donc, Gueluc, moi, je suis baronne, je t'emmerde. Et on nous met dans l'ordre d'importance. Donc, les machins, trucs, puis les barons, puis les chevaliers, etc. Et nous, ma femme et moi, on est les derniers. Mais c'est normal, vous êtes des manants. Et oui, absolument. Et à un moment, je dis, ben, putain, c'est un peu vexant tout de même. Et puis, je vois quand même un mec derrière nous. Je dis, ah, ça fait plaisir tout de même de pas être les derniers. Il dit, ah non, moi, je fais partie du personnel. Alors, il s'agit de retrouver le nom d'un groupe ou même d'un duo. Un duo qui revient après quelques mois, quelques années d'absence. Un duo composé de Nina et Johan, vous voyez. Nina et Johan. Ah, c'est pas les Stéphanois, là? Non, c'est Nina. C'est français, alors. Ah, les Stéphanois, c'est Terre Noire. Ils ont obtenu une victoire. Ça a l'air bien naze. Ils ont obtenu une victoire. C'est pas Nina. J'ai vu ça de loin, moi. Non, ça a l'air misérable. Je les ai reçus, ils chantent bien. Un petit côté trois cafés gourmands. Quoi. Terre Noire. Non, pas du tout. Justement, ah non, ils sont branchés. Très branchés. C'est le contraire. Mais branchés sur quoi? Elle est conne, cette Beaugrand. Ah bah non, mais quand tu les écoutes, je te jure, ça fait le même bruit. Hein. Mais sauf qu'ils sont branchés, ils gigotent très bizarrement. Oh là là, depuis que t'es devenue maman, toi t'es devenue vieille. Bah moi je. Ça, c'est un vrai compliment. Ouais. Je le prends comme tel. Mon duo. Du coup, Nina et Johan. Alors, pardon, c'est un duo français? Mon duo, là, français, oui, français. Oui, chanson, hein, chanson. Merci de revenir à la question, monsieur Beaugrand. Heureusement que vous êtes là, vous savez. C'est pas Superbus. Troisième album. Non. Et ça cartonne à chaque fois. Et c'est actuel, c'est-à-dire qu'ils sortent en Lily Wood and the Prick? Pardon? Lily Wood and the Prick? Non, ça fait 4 ans qu'il n'est pas sorti d'album. Voilà. Est-ce que leur nom de groupe est anglais? Oui. Voilà, ça c'est important. Quatre signes de tri, tricats ou quatre signes de tri. Les chats dans les arbres. Les chats dans les arbres. Cats and Trees, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Vu le nom, j'imagine que c'est un groupe de hard rock, c'est un peu viril comme nom. Non, c'est un peu de la pop électro. C'est très joli, souvenez-vous du tube en 2013. Les hétéros. Ben, franchement, c'est top. Allez, on adore ça, Cats on Tweet. Et ils reviennent avec un nouveau titre, Lost from Love. Non, franchement, c'est bien. Ah ouais, tremble, bien c'est super. Français, hein. Tremble, Hélène Ségara, tremble. C'est que mais les accords. Tu mets un synthé sur Hélène Ségara, c'est pareil. Hein. Mais c'est pas vrai, c'est très bon. C'est que les accords des Beatles. 4 ans d'absence, ils reviennent, et bravo à monsieur Jean-Philippe Janssen. Écoutez, il sait pas Pérec, il sait pas la tortue. Ah ouais, mais chez Catherine Tree. Voilà, Catherine Tree. Une autre question maintenant pour madame Nathalie Reyna qui habite Bagneux. Et la question est assez facile et concerne une des grosses têtes ici présentes aujourd'hui. Qu'est-ce que Christine Bravo va pouvoir faire demain qu'elle devait faire il y a plus de 2 mois? La lessive? Non. Bien sûr, se doucher, se brosser les dents. Et alors là? Non, prendre un bain. Aller chez le coiffeur. Même toi, Brutus. Commencer un régime. Non.
Qu'est-ce que Christine Bravo va pouvoir faire demain qu'elle devait faire il y a attends, plus de deux mois. Attends, on se concentre. On est fin mai. Non, début juin même. On est début juin. Ah oui, premier juin. Très bon, très début. Ouais, début dès le 1, j'aurais dû le faire en avril. C'est ça, à peu un près. Un poisson d'avril. Fin avril, en tout cas, oui. Ah, elle pourra se découvrir d'un fil. Fin mars même, voyez. Les impôts. Fin mars. Vous j'aurais dû le faire fin mars. Ah oui, fin mars. Comment vous savez que je ne l'ai pas fait? Ah bah parce que je le sais. Et pourquoi? Parce que ça a été annulé. Ah, la pilule du lendemain. La pilule d'il y a 20 ans. Son grand nettoyage de printemps. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde doit faire, Laurent? Ah non, elle était la seule grosse tête concernée, parmi nous en tout cas aujourd'hui. Ça a un rapport avec... Parmi nous, je suis concerné parmi nous, moi aussi. Oui, mais oui, parmi nous, tu crois pas si bien dire, c'est l'épilation qu'elle a refusée. De toute façon, j'étais sûr que j'allais prendre cher. Parmi nous. Est-ce que vous pouvez trouver des choses positives? Mais souvenez-vous, il y a plus de deux mois, Christine Bravo, vous étiez triste parce que voilà, ça a été annulé. Et là... Je le sais. Ah. Ça y est, voir le roi d'Espagne. Et alors? Eh ben, il revient. Et oui, alors? Eh ben, je vais le voir. Bonne réponse de Christine Bravo. Expliquez. J'avais été invitée à la mairie de Paris pour un entretien privé d'une demi-heure seul avec le roi. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous étiez 30 et ça durait 10 secondes. Juste avant, elle voyait Roland Barthes et après le roi d'Espagne. Et Jean-Paul Sartre allait passer une tête. Et donc Anne Hidalgo m'avait envoyé une invitation et j'étais vraiment heureuse de rencontrer mon roi. Oui. Felipe, que j'adore. Felipe VI. Felipe VI. Et là, malheureusement, il y a eu le crash. Un crash. Felipe VI, il est parent avec Jacques VI. Comment vous parlez espagnol alors? Comme une vache. C'est ma langue. Mais oui, mais justement, j'aimerais bien entendre. Enfin, je parle espagnol aussi bien que je parle le français. J'ai appris les langues. Oh putain, mais non. Mais imagine que Pierre. Ah non, vous. Oh, vous êtes redoutable. Non, mais on a dit pas la famille. Pas la famille, pas les parents, Pierre. Mais parlez en espagnol. Pas. Ni les parents, ni les affaires. Hein. Non, on touche pas les parents. Mais imagine en que espagnol, Pierre soit le roi d'Espagne. En espagnol. Comment tu veux lui parler? Entraîne-toi. Majesto. Non, mais. Majesto. Majesto. Non, mais je veux dire. On sent une maîtrise de l'espagnol. Je me disais, comment la nouvelle recrue, je peux te dire, elle est nulle. Vous allez dire au roi Majesto. Ouais. En tout cas, moi j'ai une confirmation, c'est que si vous n'avez pas trouvé la réponse immédiatement, c'est que tout simplement, vous n'étiez pas au courant que le roi revenait demain mardi et vous n'avez donc pas de carton d'invitation, c'est pas vrai. Il vient inaugurer un... Je n'ai pas ouvert mon courrier, mais... Oh. Sur une des enveloppes, il y a une couronne. Non, c'est le dentiste, c'est ton dentiste. Ah, je suis ravi de vous recevoir parmi les grosses têtes, Estelle Dossin. C'est bien un choix de ma part. Hein. Vous n'avez pas été imposé par M6. Je le dis tout de suite aux auditeurs qui nous écouteraient parce que je suis une des rares émissions que je suis sur cette chaîne, je dois dire. Avec plaisir. Et je vous adore, je vous regarde, vous comprenez les gens, vous savez qui il faut, avec qui. Et j'ai tellement de cas sociaux dans cette émission que je me suis dit, il faut la faire venir. Et si vous pouviez nous trouver quelqu'un pour le pauvre puceau qui est là. Il y a trop de travail. Pauvre vie, puceau, vie, les deux. Alors, je sais que vous êtes lacanienne et freudienne. Non, mais c'est vrai. Vous avez les deux. On a du mal, il aurait pu lui dire vaginale et clitoridienne. Ouais. Ben, j'y pensais. Je suis freudienne. Alors, est-ce que vous avez... Alors, c'est marrant parce que vous mariez les gens, mais est-ce que vous avez quelqu'un? C'est important aussi d'être bien dans la vie. Elle est mère de famille, elle est mariée. Donc, ne la draguez pas. Elle peut vous trouver quelqu'un, mais c'est pas elle qui va aller à la tâche. Est-ce que vous pouvez trouver quelqu'un? Quand je dis à la tâche, c'est bien la tâche. Vous êtes un célibataire ou pas, si c'est pas indiscret, Liane? Je suis célibataire, magnifiquement accompagnée de temps en temps. Oh. Ah, c'est-à-dire? C'est-à-dire? Bah, on peut être célibataire et avoir des liaisons. Ah, vous avez des liaisons. Ça coûte cher. Je crois que le plus âgé me coûte plus cher que le plus jeune. Alors, c'est un bon coup, Jean-Louis Debré? Ha 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 ha!
C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites, Laurent. Mais non, on fait la balance, on fait la balance, c'est bien. Quant au mariage de Christine Bravo, vous serez capable de lui donner quelques conseils puisqu'elle se marie en juin prochain. Ah bah non, elle est déjà en main, là, ça va, ça roule. Wow. Oui, mais enfin, vous êtes psy, pas que non, pour la télé, vous êtes psy en vrai. Absolument, oui, j'ai un cabinet, oui, oui. Elle a un cabinet de psychologue, c'est une ouais, vraie psychologue. Une vraie. Moi, c'est vrai qu'au premier regard, j'ai pas du tout été séduite par l'homme que je vais épouser. Mais à la première sodomie, oui, mais... Oh la crâne. Veux-tu m'épouser? Paf! Oui! C'est pas bien ce que vous faites, Laurent. Mais ça se passe comment? J'ai jamais fait ça encore. Comment de quoi? Il va faire dominer la sodomie. J'ai un puceau de la sodomie. Moi, je suis quelqu'un pour m'expliquer. Non, mais moi, moi c'est par derrière, mais comment on part? Moi, je sais pas, quoi. Il y a plein d'entrées, c'est le bordel. C'est pas bien. T'as fait le journal. C'est simple, tu vois le tunnel de Fourvière? Bah, tu pars au ski, là. C'est toujours couché. C'est toujours couché. Eh ben, pas pour forcer. Imagine, il y a un 38 heures. Laurent, c'est pas bien ce que vous faites. Non, mais c'est vrai que Johan... C'est vrai qu'à force d'inviter des trous du cul. Est-ce que c'est important la sexualité dans un couple vraiment? Ou est-ce que de plus en plus finalement il y a de l'asexualité? Oh là là, quel joli mot! Tu connais des mots, dis donc. Moi je pensais pas que j'avais été invité sur France Inter. Hein. Ah non, mais écoutez, je suis sûr que vous allez être très bien dans cette émission parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de conseils. C'est pas facile, vous allez les mener ces énergumènes là à la baguette. Et croyez-moi, je suis obligé d'être dans leur tête et c'est pas toujours facile. Ah, oui. Non, mais c'est vrai que Johan il est très attiré par le sexe parce que en fait il demande pour la première fois. Mais l'inverse n'est pas vrai. Mais non, mais c'est vrai, c'est la première chose dont tu m'as parlé quand on s'est rencontrés. C'est vrai, parce qu'on a, on a sympathisé. Avec on commençait à se renifler tout le temps. Avec ta petite voiture devant le centre d'entraînement. Mais oui, parce qu'on s'est. T'avais une petite bagnole et tu t'arrêtais souvent quel pour discuter avec moi. Au centre d'entraînement. On était au centre d'entraînement de danse avec les stars. Dans la En 2019. Et on se commençait à se regarder un peu. Oui, renifler. Non, non, mais tous les jours. Et tout d'un coup, très rapidement, il est venu il va parler de son problème vis-à-vis du sexe. C'est un très gros problème parce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ça sert à quoi? Parce que je comprends pas. Ça dure 2 minutes sur 24 heures, c'est quoi 2 minutes? Parce que moi, je préfère ne pas faire les 2 minutes et être super bon pendant 23h58. Mais être gentil, affable. Attends, pour toi. Qu'est-ce qui doit durer 2 minutes? Bah là, c'est quoi 2 minutes, 20 minutes? Enfin, c'est pareil. Tout ça. Alors, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Sébastien, c'est quoi pour toi? Je te dis qu'on va t'attacher dans une grange. Et ça va durer 2 jours. Et tu nous diras merci. Et tu nous diras merci. C'est pas bien ce que vous faites. Tiens, voilà une première citation qui devrait vous intéresser pour Sandra Barthez, qui habite Vienne, dans l'Isère, qui a dit « Il vaut mieux avoir un coup de pompe dans l'avion qu'un coup de pompe dans le train. » Coluche, drôle. Coluche, non, c'est quelqu'un qui vit encore. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, non. Gueluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse de Johan Rioux. À quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, faut dire que c'est pas quelqu'un qu'on connaît spécialement pour ses écrits ou ses citations, même s'il a évidemment écrit, mais dans un autre genre. La question vaudra pour Sandra Osby, qui habite Bligny-les-Baunes, en Côte d'Or, qui a dit... J'arrive plus à me lire, à lire. Qui a c'est dit... la presbytie. Ça arrive à un certain âge. Il n'y a pas besoin de psy pour vous dire que la presbytie arrive à un certain âge, vous voyez. Mais c'est vrai, j'ai l'impression que vous voyez de moins en moins. Oh, écoutez. Ouais. Alors, mais oui, alors, il va falloir être de plus en plus près. C'est pas avec vous que je serai presbyte, en tout cas. Ça, c'est un truc de coincé dans l'œil, patron. Pardon. Vous avez un truc de coincé dans l'œil. Ça doit être ça, oui. Vous avez fait quoi hier soir? Qui a dit. Vous avez encore vu Stevie? Pour genre préparer l'émission. Non mais attends, on la connaît, hein. Qu'est-ce qu'elle fait là, la chanteuse Jackie Quartz, depuis tout à l'heure, là? C'est pas Jackie Quartz. Mais si, c'est Jackie Quartz. C'est Estelle Dessin. Elle a coupé ses cheveux, mais c'est Jackie Quartz. Elle est très jeune, d'ailleurs, Estelle Dessin. Elle est magnifique. C'est vrai. Alors. C'est rare pour l'animatrice d'M6. Nous disait Liane Folie. Qui a dit « Si la barbe suffisait à la sagesse, un bouc vaudrait Platon ».
Ah, Corbier. Non. Carlos. Mais c'est quelqu'un qui était barbu pour le coup. Il est toujours vivant? Ah non, hélas. Jean-Yann. Quelqu'un que j'aimais beaucoup. On a fait un peu de radio ensemble. Yvan Rébroff. Oh, Yvan Rébroff. J'ai fait de la radio avec Yvan Rébroff. Oh, ça se pourrait. Non, et vous aussi, vous l'aimiez beaucoup, Christine. Joseph Staline. Ah, laisse-moi. C'est pas Staline, monsieur? Staline, non. Pourquoi je l'aimais beaucoup, Laurent? Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent et qui était un ami. Peut-être même qui vous a ramené sur sa moto à une époque. Mais non. Un chanteur? Un chanteur, oui. C'est Moustaki. Georges Moustaki. Oh, oh. Bonne réponse. Excellente réponse de Christine Bravo. Une question pour Monsieur Turchanka, qui habite Paris 20e. Quelle est la plus grande île du monde? L'Australie. Non, le Groenland. Non, Groenland. Superficie 2 200 000 km². Ça, c'est carrément l'Australie. L'Australie. Ce n'est pas l'Australie, mais non, c'est car l'Australie est un continent qu'on distingue d'une île. On appelle l'océan. Et c'est bien Stevie qui a la bonne réponse. C'est le Groenland, la plus grande île du monde. Qui appartient au Danemark. Parce que le Groenland est européen. Et non. Quelle est la plus grande ville, enfin la capitale du Groenland? Ah, alors là je l'ai lu, j'ai même été visité par Google Earth, mais alors le nom. C'est une deuxième chance pour Monsieur Turchanka qui habite oui, Paris 20e. Oui, 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 c'est... Guadalajara. Oh. Non, mais là-bas, Trinidad. C'est un peu comme l'Islande. 56 000 habitants dans cette capitale du Groenland. C'est pas très grand. 88% d'Esquimaux, la moitié de la population inuite mondiale, ouais, habite dans cette ville, dans cette capitale groenlandaise. Elle va pas mieux, hein. On dirait même Suze. Elle va pas mieux. Et elle est effrayante maintenant, même. Elle me fait peur. Bon, c'est pareil que Javik. Il y a déjà eu une compétition sportive là-bas ou pas? Non. Des jeux d'hiver ou. Habité par les Vikings dès le 10e siècle, les populations inuites depuis le 13e siècle, une ville fondée par, effectivement, un missionnaire norvégien, monsieur. Ça commence par quelle lettre? Monsieur Stevie, vous voyez. La Norvège étant à l'époque tout comme le Groenland sous la souveraineté danoise. Voilà. Vous pouvez pas nous dire la première lettre? Non. Non, dis pas, allons. Ça, je crois que ça commence par un pas L, mais je suis vraiment pas sûr. Je peux vous sûr. Dire qu'il y a 4 lettres, et en fait, il y en a que 3. Ah, ça c'est marrant, alors en fait, ça c'est incroyable. Ah, ah donc c'est genre. Attends. C'est simplement qu'il y a une lettre double, Chantal. Ah oui, comme au Scrabble, oui. Lettre double. Comme au Scrabble. Oum. Non. Loum. Non. Broum. Loukoum. Ça commence par un L ou pas? Loukoum n'est pas la capitale du Groenland. Loukoum est la capitale du Groenland. Zouz. Pardon. Zouz. Ouais, ouais, ouais. Oku. Zaz. Lit. Zou. Zouz. Zouz. Monsieur Stevie, je pensais que vous étiez très fort. Je cherche, mais depuis tout à l'heure, je parle, vous ne répondez pas. Ça commence par un L. Pardon. Ça commence par un L. Vous avez vu comment il me parle, monsieur Benichou? Faites poli avec un gré. LOL. Faites poli avec le vieux, là. Oh, il est pas vieux. C'est le vieux. L'eau. Est-ce que ça se visite? Il y a des gens qui. Il y a 4 lettres. Une seule voyelle, double. Voilà. Bah, waouh. Ah, ouais. Ah, c'est le... Genre, une voyelle double. Oui. C'est une voyelle en plus. Ah, bah genre, c'est... Ah, auto. Non, c'est pas ça. C'est un U. C'est l'âme, comme la chanteuse. L'âme, comme la chanteuse. L'âme étant effectivement la capitale du Groenland. Bravo. En Seine-Saint-Denis seulement. Ah, c'était bien parti, hein. C'est la voyelle. Si on trouve la voyelle, ça va nous aider ou pas? Gut. Loum. I. Zou. Maman. Maman. J'ai l'impression d'être qu'avec des gâteux. Donc s'il y en a une qui est douce, c'est laquelle? Est-ce que c'est le nom d'un meuble de chez Ikea, non? Ça pourrait. Allez, il reste 30 Uc. Secondes. Ah, Uc. Gut. Urk. Usk. Urk. Urk. Alors là, on est tout prêt. On est tout prêt. On brûle. Urk. 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 Usk. Non. C'est Usk. Un U. Urk. J'espère que ça va être la bande-annonce de l'émission, hein, le passage. Monsieur Turchanka va toucher 300 euros. Ah non, on est tout prêt. Et c'est tant mieux, Paris. Ulk. Ulk, ah bah non, non. Krut. Monsieur Stevie, je me souviens. Ben, c'est cher, ben, j'ai déjà trouvé le Groenland. T'as le U. Il y a un deuxième U, il reste 2 lettres. À une époque, vous connaissiez toutes les capitales. Oui, mais c'est une petite capitale. Ah, faut tout connaître. Oh, 58 000 habitants, c'est pas mal quand même. Bah oui, bah c'est plus. Est-ce que les deux voyelles sont collées? Oui. Ah oui, oui, par le français. Mais... Ah, non.
Ticou. Évidemment que les deux voyelles sont collées. Bah, c'est du groenlandais. Eh oui. Et c'était Nuuk. Et on appelle les habitants de Nuuk les Nuukois. Les Nuukois habitent la capitale du Groenland. Nuuk. N-U-U-K. Ah. Ouais. Voilà, ah ouais, c'est donc jamais entendu. Bon, à savoir... parce que vous travaillez pas entre les émissions. C'est pas moi. Si je travaillais qu'ici, je saurais pas la moitié de ce que je sais. Hein. Je travaille entre les émissions. Qu'est-ce que vous faites ailleurs? Amusez-vous, parce que moi, j'ai une communion dans un quart d'heure. J'espère qu'elle n'est pas à Nuuk, parce que ça va vous faire loin quand même. Une question pour Carla Moulineau, qui habite... qui habite Malakoff. Oh, j'ai Malakoff. Oh. Ah, encore une idée de week-end. Qu'est-ce qui fait bien Malakoff. C'est peut-être un peu loin pour Julie, Malakoff. Carla Moulineau espère, elle aussi, un chèque RTL. Dans quel cas, précise-t-on, qu'on a choisi celle ou celui qui est zinzolin? Zinzolin. C'est un adjectif? Alors, c'est un adjectif, zinzolin, oui. On dit zinzolin au féminin. En gros, la question, c'est évidemment, qu'est-ce que veut dire le mot zinzolin? Voilà, le zinzolin, c'est un tissu. On peut qualifier un tissu de zinzolin. C'est lié à un motif. Mais alors, dans quel cas? C'est pas pour une fête, genre le carnaval, le Dunkerque? Non, mais vous avez raison, un tissu. Oui, c'est un tissu qui peut être zinzolin. Mais pas seulement les tissus, plusieurs choses. C'est une couleur, c'est un coloris. Est-ce qu'un visage? C'est une couleur. C'est un coloris. Mais quelle couleur? Verdâtre. Le blanc. Verdâtre, est-ce non. Que c'est pas un peu rouge, coque de bruyère, un peu voyez, violacé, comme un peu ocre. Par exemple, Christine Bravo a le teint zinzolin. Oui, ou un gland peut être zinzolin. Ah oui, on vit dans le slip du patron, là, on est content. Mais Laurent, mais ça va pas. On est content. Il y a peut-être des enfants dans le public. Et on s'est pas levé depuis 2 heures. Mais on a pas de ça. Mais pourquoi vous parlez de la couleur de votre gland, Laurent? Mais ça va pas. On aura le scrotum à 18h. Non mais. Alors que c'est pas possible. Ah non mais parti comme c'est. Alors c'est le clito qui est rouge. Incroyable. Pas pour tout le monde. Ah non mais vous êtes. C'est pas rouge, c'est violacé. Violacé. Mauve. Vous avez pété les plombs. Monsieur Logérias était en train de me montrer son sexe. Mais oui. Je savais pas dire le mot exact, c'est pour ça que je préfère vous montrer. Alors voilà, donc j'ai bien obligé de dire c'est vrai. Ce qui est. Violacé. On dit zinzolin ou glandu. Ça a l'air de dégoûter Caroline. Violet, rougeâtre. C'est zinzolin ou gingolin d'ailleurs. On peut dire aussi. Gingolin, ça c'est quand c'est Dominique Besnier qui en parle. Moi j'ai le gland zinzolin. Ça il est tout violacé, ça c'est sûr. C'est pas joli comme mot c'est violacé. C'est pour, vous voyez, c'est plus joli. Par exemple, comment il s'appelle notre ami Prince. Prince aurait pu chanter Zinzolin Reign. Zinzolin Reign, Zinzolin Reign. C'était mieux d'ailleurs que ça. La couleur zinzolin de Spielberg, très voilà. C'est mignon, zinzolin. Alors évidemment, ça s'use. Mais Laurent, eh ben oui. Eh ben pas. Oui. Eh ben voilà. Non. Ça se vous fatiguez. Ça s'utilise moins qu'avant, évidemment. Ah bah, pas du tout. Ah ben là, t'as des souvenirs quand même. C'est un peu vieilli. Mais en littérature, on utilise encore parfois la couleur zinzolin. Ah ouais, parce que dans les. Et c'est vrai que des vêtements, du vernis à ongles peut être zinzolin. Écoutez, vous savez comme je suis fan de vernis à ongles. Oui. J'ai jamais entendu. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit zinzolin sur les. Ah bah si, un petit vernis couleur gland. Oui, c'est sympa. Ah ouais. Mettez-moi donc un vernis gland. Allez, pour une petite soirée. Ça ne verra pas. Ah oui, comme en plus elle a les mains poilues, ça fait cool, c'est bien. Ça fait beaucoup. Ça fait une belle soirée, quoi. Vous êtes bêtes. Ah. Ils sont bêtes. C'était une question, franchement, de français, de elle vocabulaire. Oui, tout à fait. Et qui permet quand même d'utiliser des mots un peu nouveaux plutôt que de dire mauve, violet, rougeâtre. On dit zinzolin. Ben bah, voilà. Voilà. Vous pourrez dire zinzolin. Moi, je trouve qu'il y a trop de mots pour dire rouge. Finalement. Maintenant, je vous emmène dans la tribu pygmée des Hakka en Afrique centrale. Et particulièrement, la question porte sur les hommes. Mmh. Et c'est pour Madame Sonia Huche, qui habite Nointel, dans l'Oise. Quelle particularité étonnante ont les hommes, enfin plutôt, qu'est-ce qu'ils font d'étonnant, les hommes de la tribu pygmée des Hakka en Afrique centrale? Est-ce que c'est lié à leur truc zinzolin? Ils se mettent zinzolin et tu fais rien. Non. Est-ce que c'est lié au truc zinzolin qu'ils ont sous le pagne? Que peu d'autres hommes font dans le monde. Est-ce que c'est de la vaisselle? Est-ce que c'est de la souplesse? Pas la vaisselle, mais voyez, il y a... Ils portent les enfants. Alors, ils portent les enfants. Ils nourrissent les enfants. Ils allaitent les enfants. Ils accouchent. Ils les allaitent. Ils donnent le sein aux enfants. Bonne réponse. Pardonnez-moi. De Florian Gazan. Mais il y a de lait, on a du lait. Alors, techniquement, normalement, quand on donne le sein,
c'est pour donner du lait. Oui, eh bien, oui. Ils peuvent donner du lait aussi. Bien sûr. Ah bon. Et les hommes s'appellent Anso, Virginie, Nathalie. Oui. Ce sont des yèles. Le truc, c'est qu'en fait, c'est pas le même. Non, non, mais pardon, Laurent, non, mais... vous pouvez avoir du lait, vous, sur tire dessus alors, ça dépend des circonstances. Comme si tu ne savais pas. Oh, c'est des pygmées, hein, ils sont tout petits. Ah bah. Oui. Donc, c'est pour ça. Donc, tout est proche. Tout est proche. C'est un... on pense qu'on tire sur le. Non, et puis écoutez, vous moquez pas des hakas, il y en a peut-être qui nous écoutent. Les hommes pourraient. À l'été, le seul problème effectivement, c'est qu'il y a un processus pour allaiter, pour produire du lait, c'est évidemment très très rare, mais ça arrive, et ça peut arriver chez les AK. Chez les AK, effectivement. Ah, c'est génétique, alors, la c'est création ça. Du lait a été constatée chez ces hommes, qui donnent quotidiennement le sein aux nourrissons, parce que, en effet, les hommes comme les femmes ont cette possibilité de créer du lait paternelle. En effet, on a les appareils d'organes nécessaires à la création du lait, les tétines, les glandes mammaires, l'hypophyse. Mais il suffit effectivement d'activer. Alors, je crois qu'effectivement, j'allais dire, en fait, il faut... Alors, je vais pas faire de gestes. Si, si, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est filmé, vas-y. C'est filmé. Si, vas-y. Mais je crois qu'effectivement, une glande mammaire, ça s'active. Oui. Et qu'à force de... Absolument. Mais regarde, Bernard Mabille, il fait de l'ISIO 4. Mais alors, attends, ça s'active peut-être en prenant certains aliments ? Non, je vous explique. En aspirant. De façon purement physiologique, l'homme est au même titre que la femme, doté d'un dispositif nourricier, des tétines, des glandes mammaires et une hypophyse. Ça, je vous l'ai dit. D'accord. La production de lait est déclenchée par une hormone appelée la prolactine. Oui. Les hommes seraient donc en théorie capables de produire du lait. Ça veut dire qu'ils pourraient aspirer les tétines de votre mari toute la soirée pendant plusieurs années pour qu'il y ait du lait qui sorte. Le problème, c'est que le mâle sécrète également une quantité importante de dopamine, hormone dite de plaisir qui stoppe la production de prolactine. Mais il faut pas prendre du plaisir quand on vous tète le sein. Et c'est à cause de la dopamine qu'on voit quasiment jamais de lait sortir des tétons masculins, mais autrement nous produirions nous aussi de la prolactine. Ah ouais. Et les papas AK, eux, parviennent cependant à déclencher eux-mêmes. Oui, les papas AK. On dirait une chanson de Trombay. On dirait le dernier tube de AK. Papa AK, donne-moi du lait. Mais en fait, Laurent, donc pendant que les pères là chez les AK donnent le lait, quoi, les femmes elles sont au bistrot, elles font les baby foot. Évidemment. Non, mais c'est ça. Et bois du Riga, tu me déclopes. Quelle chance elles ont. Quelle chance elles ont. Bon, où en était-on ? Alors. Oh. C'est une bonne réponse, en tout cas. Oh, je vais vous demander de retrouver le nom de quelqu'un qui est né en 1938, né dans un train. Eh oui, au cours d'un voyage en train, il est né entre Irkoutsk et Vladivostok. Et c'est quelqu'un d'ailleurs... à qui on consacre une nouvelle biographie signée Françoise d'Argent chez Hachette. La personne est morte. Il était russe. Tolstoï, non. Est-ce qu'il est mort ? Il est décédé ? Il est mort en 93. Il faisait un métier artistique ? Ah, il faisait un métier artistique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, un danseur, Nourieff. Oui. Rudolf Nourieff, bonne réponse de Bernard Mabille. Et la biographie qui sort en librairie s'appelle Le choix de Rudy. Rudy, c'est ainsi qu'on l'appelait. Rudolf Nourieff. Et c'est Françoise d'Argent qui revient sur l'enfance de Nourieff. Né dans un train, donc. C'est marrant de naître dans un train, quand même. Enfin, c'est marrant. C'est mieux que l'arrière-train. Ouais. Non, ça doit pas être si marrant que ça en 1938. Ah oui? Bah, c'est surtout pour la maman, parce que le bébé, il se rend pas trop compte de la différence. Oui, c'est ça. Mais les conditions d'hygiène dans un train. À Vladivostok en 1938, ça devait pas être top top. Ça, c'est sûr. Il a du pot d'être resté en vie. Même s'il est mort aujourd'hui. Oui. Mais longtemps après, quand même. Il paraît qu'il était odieux, mais quel danseur. Ah oui. Vous qui avez fait de la danse classique. Mais dans Fantasia, vous savez, le film de Disney. Mais si, Caroline, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Mais si, enfin. Mais quand elle fait des pointes, elle reste fichée dans le parquet, c'est pas possible. J'ai la preuve en photo que Caroline a été danseuse à l'Opéra de Paris. Voilà. Non, j'étais pas à l'Opéra de Paris, mais j'ai pris des cours de danse pendant 10 ans. Danse classique et se maintient. Même si je suis grosse, je me tiens bien, contrairement à certaines grandes gigasses toutes molles qui savent pas tenir leur dos. Ça donne. On prend ça pour toi. Et là, Karine s'est retournée. Vous savez, quand elle dansait La mort du cygne, c'était un carnage. Mais d'abord, j'étais pas comme ça quand j'étais petite.
J'étais délicate et délicieuse. Et quand vous étiez déjà un peu enveloppée. Hein. Il paraît que vous n'aviez pas un tutu, mais un vouvou. Non, mais pourquoi vous avez arrêté, Caroline ? J'en ai fait de l'âge de 5 ans à l'âge de 15 ans. Ah, oui. J'adorais ça passionnément. C'est moi que j'ai là. Non, mais je me suis... Parce qu'elle est passée directement de petit rat sur mulot. Je pense qu'elle a dû arrêter. Non, mais sérieusement, parce que sa poitrine a poussé. Non, j'ai pas arrêté parce que la poitrine a poussé. J'ai arrêté parce que le c'était la mode des sabots et des jeans cigarettes, et qu'avec ces sabots à la con, là, les sabots noirs qu'on a tous portés à cette génération, je me suis cassé l'orteil. Et non, c'est vrai. Ouais. Et alors ? Et ben alors, pendant un an, comme tu peux pas plâtrer, pendant un an, j'ai eu un mal de chien. Ah. Et donc après, tu reprends pas parce que... À quoi ça tient une carrière ? Mais non, mais j'aurais jamais fait carrière dans la danse. C'était pour le plaisir. Comme pour je n'aurais le pas plaisir. Fait carrière. Oh, bah, prends le temps de temps en temps. On aurait vu faire de la pub pour... Oh, ça aurait été génial. Ah, oui. Excusez-moi. Moi, je ne donnerai pas de nom, mais il y a beaucoup de danseuses qu'on a vues, des filles magnifiques dans Danse avec les Stars, qui n'ont aucune grâce et aucune tenue. Mais ça n'est pas une question de poids. Mais ça, c'est vrai. Ça veut dire que si on te propose Danse avec les Stars, tu y vas. Oui, si on prévoit un an à l'avance avec un coach 3 heures par jour. Et qui dit Riner pour la porter.